Garé. Les gars, BO3, BO3, élimination directe. Oh, on a ban Ascent, ils ont ban Aven, on a pique fracture, après tu vois, il y a redéban, en gros. C'est tout de suite, ce sera plus tard. Ah ok, c'est tout de suite. Non, ouais, voilà. En gros, tu piques Kima, piques Kima, après tu t'en bannes deux et à la fin, il en reste une. Et ça, c'est notre choix, là. Ouais, fracture, c'est notre choix. Eux, ils ont pris fracture, nous, on a pris bind, et eux, ils ont... et à la fin, en map note, c'est, du coup, c'est Lotus. Et vu que c'est eux qui ont choisi Fracture, c'est nous on choisit où on veut commencer, on choisit de commencer en défense. Fracture, qu'est-ce qu'on peut voir dessus? On peut voir non, des néons, des pics comme ça. Hein. Néon, Breach. Raze est sortable aussi, Jet. J'aimerais bien voir Néon, moi. Ouais, Néon, je pense que c'est un peu un prérequis cette map. Moi, je veux Jet, moi. Toi, tu veux voir Jet, toi? C'est un peu Riven, full dash, tabata, ouais. Penta. Oui, c'est vrai c'est que possible. Jet, c'est un petit peu Riven, ouais. Oh. Ils ont pas tué le perso Jet récemment? Non. Si. Non. Après y'a pas l'autre ils là. Ils l'ont nerf mais ils l'ont pas tué. Le moustachu là qui met des smokes, lui c'est GP lui. Brimstone. Ouais lui c'est GP lui. Ouais. Bon app tu manges quoi? Je mange burger frites. Là. Les frites, t'as jamais mangé des frites aussi bon de ta vie Slayer? Je pense pas. Moi je te le dis hein. Est-ce que notre in-game lead il change selon les maps? Non. On a un mec fixe. Ouais. En fait, non. Oui, enfin oui et non. En gros, là il y a un game lead, mais c'est pas, il y a pas un mec qui fait des calls, tu vois. Tout le monde peut les faire. Ouais. Oh, n'hésitez pas, moi je graille. Hein. La famille. Ok. Vous avez mangé, vous êtes trop bien là, hein. Moi non. Fracture de base, c'est une map qui se joue rapidement ou ça joue slow? Tu peux les deux en vrai. En fait, le truc, c'est que c'est une des seules maps où t'as. En gros, tu vois, t'as une tyrolienne. Enfin, c'est la seule map. T'as une tyrolienne qui te permet d'attaquer les sites des deux côtés. Ok? D'accord. T'as deux côtés, du coup, c'est pour ça que c'est une map qui peut être assez dure à jouer en vrai. Aussi bien en défense qu'en attaque. Mais surtout en défense. Transition, quoi. Exactement. Ok, la draft! Alors! Moi qui ai néon. Yes! Yes! Ouais, néon, ouais, c'est obligé. Et Yopa sur néon, du coup. Ça fait plaisir, ça. Néon, c'est trop fort quand c'est bien joué. Et vraiment, c'est là où on s'est amélioré par rapport à l'année dernière. C'est que l'année dernière, on avait tout le temps les mêmes compos. Il y avait les joueurs qu'on avait, ils y jouaient très bien leur perso, mais ils avaient un peu plus de mal avec les autres, tu vois. Là, on peut jouer plein de persos. Là, vous l'avez vu, Starkey, on l'a vu sur Roman, on l'a vu sur Astra. Là, on le voit sur Brim. Marquinho qui joue Breach. C'est qui le carry là? C'est hier c'est Yopa, en gros c'est les entries, c'est eux c'est les duelistes. Mais on voit pas les pseudos, tu peux décaler. Ah oui, le merde, truc. Excuse-moi mon gars. C'est bon tu vois là. Tiens, ouais, je te fais un partage tu veux mon petit ref. Non je regarde sur le stream, comme ça je suis en même temps que les viewers. Oui mais t'auras le délai quand je vais parler. Ah ouais. Bah oui. Ah ouais ça. Ça les spoil pas, t'es con ou quoi? Moi ils sont en synchro avec moi. Ouais. Non mais pardon d'ailleurs, pardon. Ouais. Ouais, c'est quand ça y parle. Je rigole. Petit sep. Pardon. C'est parti en vrai. Hein. En vrai, j'aime bien notre compo. Raze sur IA, s'il fait des dingueries, il maîtrise les double satchel, il maîtrise les roquettes, on l'a déjà vu. Première fois qu'on voit Yopa sur Néon, par contre. Première fois qu'on voit Néon, hein, tout court en vrai. Ouais. De toute l'histoire de Jabai d'ailleurs. On n'a jamais piqué Néon. T'en penses quoi de Néon en général? Néon, c'est trop fort quand c'est bien joué. Genre c'est une dingue. Allo. Oui, Wati. Ouais, Wati. Wesh les potes, vous allez bien? Ça va et toi? Vous êtes ready ou pas? Moi ouais, ça va. Vous avez pensé quoi de Yopa sur Néon? T'as des insights un peu, Wati? Poto. Néon sur Lotus, c'est n'importe quoi, comment c'est trop fort. Bah on est frais sur Fracture. Pardon, sur... sur... Ok, j'ai eu peur. Ah merde, c'est vrai que ça pue la merde. Tu m'as fait trop peur, Wati. Non, je suis fou. Allez, c'est parti. Salut YouTube, désolé, je suis en train de manger. C'est bon, ça va être long. Sova, Wati. Sova, c'est fort. T'as dit... Ouais, Sova, c'est trop fort. Les gars, Gunrun, c'est parti. On commence. On commence en quoi? On est en quoi? On est en défense? On commence en défense, ouais. On est en défense. BO3, éliminatoire. Si jamais on gagne. Je te fais un partage, Wati. Non, c'est bon. Si. Non, c'est ta cam. Putain. Voilà, masterclass.
Allez, pour manger, rappel, c'est impossible. Skadaz ont fait appel à un mercenaire russe. Pardon, ils ont fait appel à un mercenaire russe. Je viens de caster un Spike. Je viens de caster un BO5, j'ai besoin de récupérer un petit peu de force, mais apparemment ils vont pas me laisser le push à 3. Push 3. Yes, qui va tomber, il faut réussir à pas tomber. Yuta, attention. Attention, ok, Starkid sera là pour la revanche. 3v4, ils ont l'information sur Starkid. Y'a pas la tourelle de Killjoy au moins, ça c'est bien. Ils ont, du coup, ils savent pas parce que quel moment on va venir. Le Spike est pas planté. Si, le Spike est planté. Pitié. Le duel. Le Spike est planté. Starkid 3v3. Starkid. On va rééquilibrer un petit peu la balance. Magic est déjà un petit peu sur le BP. Il faut aider Starkid. C'est un petit peu dur la raise. Qui risque de le surprendre, il est pas naïf. Non, ok, il a été un petit peu naïf, mais pour l'instant, Yopa qui a réussi à prendre un kill. On est en 2v2. On a encore le temps. Magic 2v1. Allez, ils sont 2v1. Un diffuse et l'autre cover. Allez, on joue bien. Aïe. Le gun round qui va être mis, malheureusement. On n'arrivera pas. Très bien joué de la part de Spike. Qui a réussi à temporiser bien comme il fallait. Histoire de sécuriser ce round. Ok, bon, ça va. Franchement, ça va. Ouais, en fait, ils sont rentrés super vite sur le site. C'est qui? Attends. Là, regarde, là, c'est le round. C'est Yuta qui sauve un peu le round en faisant ce doublé. Et même, je crois, triplé. Non, doublé. Mais bon, okay, dommage, c'est juste ce qui arrive. 95% de magraille, 95. Ok, vas-y, bah finis tranquille en vrai. Hein. Mange, mets-toi bien. Non, j'arrive très pas à manger. Très bon flic de Magic. Je trouve dans la game. Là, dommage, on était presque au alpha. Hein. On y était presque à ce alpha. Okay, j'ai l'impression que ils veulent rejouer le B encore. Ça me trouve zub le fait qu'il ait pas eu le temps d'avoir le mid. Oh, on a une double pause. Voilà. Oh, c'est stylé ça. Allez, pitié, Star qui détecte. Ils ont pas de heal en face. Novax va rester avec ses 5 misérables HP. Il en a faux, encore une tête. Encore une tête de Starkey, attention, je crois qu'il a pas l'info sur la raise. La raise elle peut être dangereuse, elle a une bulldog, elle a les contacts. En tout cas, explosé le crâne. Oh dommage, c'est dommage, mais il a fait son boulot. Il a vraiment fait son boulot derrière, même Martinho avec son classique qui peut arriver, il a juste une balle à la remesse pour qu'il tombe. Attends, Martinho sur Breach, en vrai. Ouais. J'ai même pas remarqué, ouais, surprenant. Ouais. Je le rappelle, mais en round déco, on est censé le perdre ce round là. Bien joué ça Marquinho. C'est lent. Regarde le stun. On est censé perdre ce round là. Donc si on arrive à le mettre, on les renvoie en écho à eux directement. Ça en gros, Koba et Slayer, c'est ça en fait qui est important dans Valorant, c'est l'économie. Ouais. Tu vois, vu qu'on a perdu le premier round, du coup on a pas de sous alors que eux ils en ont. Ça veut dire que si jamais on gagne un round alors que nous on a quasiment rien acheté par rapport à eux, et ben en gros c'est trop bien pour nous. Allez puis. Allez, ils sont deux avec 5 misérables HP. Là c'est un quadra, là c'est un quadra. Attention, il y a ce qui est tombé. 2v4. 2v4, Yopa il est in. Ils ont l'information sur lui, ils sont en train de fuir, ils ont 5 HP. Attention. C'est bien ça. Ah, bon, c'est triste. C'est dommage. On aurait pu faire tomber ces deux armes, c'était tellement close, 5 HP. Putain. Bon, c'est là que ça va commencer avec le round d'armée. Tout le monde va avoir son arme principale et ça part de là. Donc faut pas oublier, je crois, de base, Fracture c'est une map attaque. Donc 4 points sur la map, c'est très dur à attaquer, enfin à défendre. Donc quand bien même c'est pas une map attaque, frère, on a deux duelistes, on a Neo, on a Raze, ça devrait le faire. Et là c'est dommage, franchement, on s'y attendait pas à ce qu'ils soient encore terrifiants. T'as vu, on a la POV. Ça arrive, t'as vu pistol, un deuxième round. On avait quoi? On avait la POV du mec Aven alors que la POV était sur Yopa. C'est-à-dire que dans les. Oh, dans mais les reviews, ils ont enfin. Oui, oui. Oh, y a les multiples. Oh là là, il était temps, Valorant, il était temps. Exceptionnel. Ils ont enfin appris à faire un bon mode spec. Ok, j'ai fini le grave. C'est bon. Ok. D'ailleurs. Quelle astuce possible. On a nos armes, cette fois. Ça, c'est bien, hein. Il peut walk up, il peut lancer des trucs. Oh, ça va décider. Faut les détruire, ok. Nanit qui vont faire un pas mal de dégâts. Magic. On va spray là-dedans. Magic. Non, il va tomber contre eux. Chiki tombe. Le Vox prend des bons dégâts. Hein. 5v4, nice. Incroyable kill. Parce qu'il va rétablir la balance. On va rentrer tout doucement sur le site. Très important de ne pas perdre ce round. On a claqué beaucoup d'argent. Starkey qui est tombé. On a claqué beaucoup d'argent et si jamais on le perd, on repart en économie, on veut vraiment pas ça. C'est une ulti qui a été claqué, c'est une ulti Spike qui va faire double kill. Oh là 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 là.
là ça va être compliqué hein. Martinho en situation de 1 contre 4. Il va garder son stuff non? Là je pense que ouais il va save hein. Il va juste essayer de récupérer ceux qui ont essayé de fuir. Ok il s'enfuit. Ça ça fait mal, ce round là il fait mal. Ouais on n'est pas censé le perdre malheureusement. Baka mon frère d'amour les gars je peux pas mettre Baka Mayer. Je peux pas mettre Baka Mayer, si je la mets un petit peu plus haut vous verrez pas les kills. Si jamais à gauche vous verrez pas la map si je... donc y'a pas... La bombe ça prend combien de temps à boom? De mémoire je crois que c'est 45 secondes. 45 secondes. Ouais je crois que c'est 45 secondes. C'est pas grave, c'est le temps d'entrer dans le match là déjà le coach. Et je pense qu'il va les réveiller en mode c'est quoi ce début de game. Franchement on est passé le perdre 3ème round. Time out voilà. Qu'est-ce qu'il dit le coach s'il te plaît Kada? Il dit je vais pas faire d'accent parce que je suis sûr à venir frère. Mais si il parle portugais, vas-y. Oui, il parle portugais, non, attends, il vas-y moi j'ai... Thomas et moi on a fait, vas-y fais. Thomas et moi on a déjà fait. Bon, ils avancent super vite sur le site. Là, tu fais bien de coup, wesh. On va essayer d'être beaucoup plus solide avec une défense un peu plus murale, défensive. Comment ça murale? Pourquoi murale? Comment ça murale? On a pas de sage. On a pas de sofa. Comme ça, mec, tu construis les murs. Mais non, le mur quoi, le mur. Quel mur? Quel mur? Quel mur? Il y a pas de sage. Il y a pas de. Mais non, mais le mur, c'est. Ah, vous voyez ce que je veux dire quoi? Parce qu'il est portugais? Mais non, pas du tout. C'est une façon de défendre quoi. Exactement. On fait faire l'accent chinois. Hein? Vas-y. Attends. T'es chinois toi? Oui c'est pour ça que je t'ai dit vas-y. D'ailleurs il a le droit lui, moi je le tenterai pas. Je le tenterai pas. Moi non plus, je te laisse les... Si toi tu veux le faire, libre à toi. Libre à toi peut-être. Elle avait son ouais, super gars. Tôt la raise hein. Super tôt. Allez on est en écho. On est en écho, on a pas d'armes mais vous savez que les rounds d'écho ça se met. Et vraiment nous on sait les mettre les rounds d'écho. En plus on a bien lu là pour l'instant on est 4 en B. Oh là là on est 4. On est 4 en B, on va les décaler, on va les décaler. Martinho qui va récupérer un kill, il sera du 2 pour 2. Est-ce que Yopa il a réussi à récupérer une arme? Non. 3v3. 2 pour 2. Ah mais Yopa il a 8 HP là. Allez Starkey solide, dommage. Dommage Starkey. Il tombe là-dessus, y'a pas un HP. Est-ce qu'il va partir derrière lui ou non? Wow, non, il va man. Pas avancer. Et le spike est toujours dans leur spawn. Oh. Hein. Le spike est toujours dans leur spawn, ils veulent pas move là pour l'instant. Ils sont en train de voir est-ce qu'ils vont aller en A, est-ce qu'ils vont aller en B. Le truc c'est que nous en A ça nous arrange, on a le setup de Killjoy. Mais un 3v2 ça se met, hein. Je vous jure qu'un 3v2 en écho ça se met. Le problème c'est que là, ils nous ont un petit peu bait, on est parti en A. Ouais. Et Yopa a 20 HP. Est-ce qu'on il va s'en clutch, soucier il clutch. Là Yopa il va clear la dish histoire d'avoir l'info. Et une fois qu'il aura l'info bah je pense que ça va rota. Ok on a l'info de la reveal. Magic il a... 62 contre 3, on a 8 HP sur Yopa. Ça va être très compliqué, est-ce qu'on peut au moins essayer de récupérer des armes, récupérer des gens qui vont essayer de fuir après l'explosion de ce spike. Franchement, si Yopa arrive à faire tomber une arme, c'est très. Non, c'est Yopa, lourd. Trouve le headshot. Ouais. Trouve le il headshot. Il a encore un stun. On a bientôt l'ulti en plus. Il a l'ulti ou pas? Parce que je le vois. Ouais, je vois gris. J'ai l'impression qu'il l'a. Ouais, si à gauche il y a écrit qu'il l'a. Il l'a. Ah, si, si, ouais, il est juste pas activé. Pardon. Là, attention, ça va être dur. Ça va être très important. Ça va être dur. Il a le swing. Ah, oh, dommage. Dommage, c'était un petit peu dur. Est-ce que Magic peut réussir à récupérer une exit peut-être? On commence mal, hein. On commence mal cette première game. Après, attention, c'est un BO3. C'est un BO3 et faut pas tarder à rentrer dans le match. Hein. Valorant, c'est long. C'est que le début. Il va récupérer une exit. Nice. Ok, un kill. Et il va mourir avec le bomb. Parfait, voilà, histoire de récupérer les sous. Bon, là maintenant, faut plus troll. Là, faut plus troll. Là, on va acheter. Et si on perd encore, on repart en écho. Et là, on veut pas repartir en écho. Il faut qu'on arrive à snowball. Ça m'aide bien. En vrai, c'est une belle écho qu'on a mis. On a mis une belle écho, il arrive à mettre un bon spray Spike alors qu'il est sur une très grosse performance aujourd'hui là. Je crois qu'il a déjà une dizaine de kills en 4 rounds. Il a déjà battu son ulti. Hein. Ok, ça, on a nos armes. Trop, là. On a nos armes. Allez, là faut remonter là. Très très important. Ok, on va agresser. Attention le stun de bridge qui passera pas tir. Oh putain, dommage. En fait, quand t'as le volac, ça semble évident. Bah ouais, on veut juste. Oh dommage Yash. Et ça va déclencher, non, ça va déclencher. Ah Magic il est en pied ferme. Les gars on a Magic. Les gars. Allez Magic. Oh là 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 là.
Il sait, hein, il sait Sarki. Aïe 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 aïe, il spike vraiment, il anticipe tout. Allez, 2v5. Pète les couilles, frère. Ah, faut se mettre là. T'as vu là, c'est vous les gens là, vous les avez stun là, vous leur avez mis la pression. Non, regarde nous. On ouais, les soutient. Vu que vous avez fait une perf de fou, tu vois, et que vous ont regardé l'après-midi là. Tu vois, ils sont en mode putain, faut qu'on arrive à faire comme quelle eux. Quelle perf de fou. Quelle perf de fou, on a perdu fucking win. Ok, Yopa. Ah, ok, c'est Yopa. C'est important ça. Il nous fait croire 2 contre 4, c'est à moi de faire quelque chose. Non, timing, go, timing. Et ça s'en sort. Le stun qui part. Oh là là, on. Spike dans le bac, il faut attention. Non, on n'a pas l'info, hein. On n'a pas l'info sur lui. C'est dommage. Eh ouais, qu'est-ce qu'il a Spike, frère? Il a fait une joueur. Il fait tout le temps ça, Spike, hein. Ah ouais? On va laisser. Ouais, je t'ai dit, c'est le mercenaire russe, genre, il n'y a pas de van ou quoi, hein. C'est pas une. C'est vraiment le mec qui est trop fort et qui carry toutes les games. Après, attention, je le rappelle, mais c'est leur map. Là, c'est leur map. Oui, ouais. Donc, est-ce que peut-être ça nous surprend en fracture? J'en sais rien, je suis pas dans les. Je suis pas dans ça, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que non, ok, on repart pas en écho, on va force, petit shield. Ouais non là il faut essayer de mettre un. Regardez ce momentum là. Une fois qu'il se réveille. Là excellent kill hein, quand même de la part de Yopa qui nous aide un peu, mais ça suffira pas malheureusement. Et les gars, que ça vous serve de leçon s'il vous plaît. C'est arrivé ou même dans des BO, on était en 0-2, on a réussi à remonter, c'est arrivé dans des games où là pas plus tard qu'il y a une semaine, on avait commencé en 0-2, on s'est fait exploser la gueule, à la fin on a réussi à gagner. Et se qualifier ouais. Il y avait, contre MDR il y avait 5-10, on a failli perdre, on a quand même réussi à gagner, donc s'il vous plaît commencez pas à faire les dépressifs là. Parce qu'on perd le rien. Oula, oh là là Yopa. Yopa, c'est son moment là. Très dommage. Ça. Ah. Non mais Spike là, il est en train de faire la game de sa vie, frère. Ah oui, il flash et stun tous les copains Noax. Allez, y'a Martino qui tient un peu. Ok, on est là-bas quand on attendait les collègues. Ouais, on joue okay. À plusieurs. On joue la retake. Est-ce qu'on a de quoi jouer cette retake là? Nice. Oh la flash. Oh là là, oui, okay. Mon Yas! Oh, oui, kill. Mon Yas, le double kill! Oh, Yass, c'est ça qui m'a manqué, Yas! Encore Martino, oui, très solide! Incroyable! 4v2! Incroyable. 4v2! Là, c'est son ulti, Yas! Oh là là, okay. Yas! Allez, 4v1, faut y aller chercher ce Magic! Excellent! Magic dans son dos, Magic, oui! Allez, on y va! Incroyable, Larry Tate! En plus, on perd. Voilà, Rafale sa mère! On perd qu'une seule arme! Ça part de là! On perd qu'une seule arme qu'on va pouvoir drop à Yopa, du coup, on est très très bien! Bon, attention, parce qu'ils ont beaucoup d'argent! Va falloir l'armer quelques rounds quand même! Oh, qu'est-ce qu'ils font? Ils diffusent pas! Qu'est-ce qu'ils font? Donne l'ulti à. Slayer! Il voulait pas diffuser, qu'est-ce qui s'est passé? Ah. Et pas moi! Frère, faut leur dire, faut diffuser! Hein. Ils ont gagné, t'inquiète pas. Franchement, ce round, il fait tu connais un peu moi. Valorant Slayer ou pas du tout? Eh là, ça casse, juste s'ils voient des kills, ça crie hein! T'as bien raison, ça, on ne demande pas mieux, mon frère Slayer hein! Normal! T'inquiète pas! Ah bah, ça va, c'est pas trop difficile à suivre, je pense. Et là, Yas vraiment. En fait, la grande différence avec LoL, tu vois, c'est qu'on peut être en 1-5 là. Mais tu sais, y'a pas de bail de. Ouais, quand t'es feed et tout, tu vois. Y'a pas de snowball. Y'a pas de snowball. Ah, pas de ouais. Genre là, t'as vu, ouais, il est en 14-3, mais là, au final, il a pas plus d'oseille que Yopa. Enfin, moi, il a plus d'oseille, ouais. Mais tu sais, il a pas plus de dégâts que Yopa, quoi. Ouais, tu vois, il a pas mangé la map. Exactement. Allez, 1-5. Y'a rien à manger. On leur a montré. Éventuellement, dans un BO3, 1-5, début de première game, ça change rien. 5 humains contre 5 humains. 5 humains contre 5 humains. On peut remonter à 6-6, y'a rien qui est joué. Allez, j'y crois. De toute façon, en tout cas, map attaque, plus on a double dualiste, plus je suis confiant en nos joueurs, y'a pas d'inquiétude. Yopa, il a l'info. Ok, il réussit à s'en sortir. Et là, ça va se taper dans le main. Et on a. Oh, la pose de fou là! Qu'est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on joue retake? Non, en fait, ils ont fake ces petites salopes. Mais regarde Magic, il est encore. Pardon. Oh putain. Magic, il est encore en B. Attention, non. Magic, oui, okay, Magic. Vengeance. Il est entendu, okay, il est entendu, Magic. On a un Magic. Les gars, on a un Magic. Allez, Magic. Il est avec 4. Il est avec 4. Il est avec 4. Yas qui a réussi à prendre un kill. Magic qui va tomber malheureusement. Starkey aussi. On est 2v3. 2v3, on n'a pas beaucoup d'HP sur Yas. On n'a pas beaucoup d'HP. Yas qui va tomber. Martino 1v3. Martino qui est le roi du clutch. J'y crois. Il peut le faire. La drill. On va se terrer dans le main pour deux personnes et on va aller tower sur. On va aller tower pour Apierre avec son Sova. Ça va être dur. Hein. La tourelle. Aïe. C'est une poucave la tourelle quand même.
Ah là, ils ont l'info, hein. Ouais, c'est un gagnant. Ah ouais, non, mais, ok, line-up Brimstone et tout, frère, laisse tomber. Ouais, c'est un gagnant. Line-up Brimstone, line-up Killjoy. Oui. Non, faut juste save, hein, c'est pas grave. En gros, là, tu vois, ils ont des sorts qui leur permettent de rester à l'autre bout. Et ils envoient des molotovs. C'est-à-dire que même si jamais il arrive à en tuer deux, Brimstone il est à l'autre bout, il est intuable parce qu'il est trop loin. Et lui, en gros, il envoie une molo sur le spice qui rend complètement impossible la diffuse. C'est vrai. Échec et mat. Échec et mat. Exactement. On a des sous, on n'est pas en écho, on aura de quoi acheter nos armes. Ils ont pris le roi. Pas encore. Non, ils ont pris. Ouais, pas encore. Ils ont pris le roi, ils auront jamais la reine. Ou l'un des rois, il a dit ensemble, lui. Le roi, c'est big quand même. En général, quand tu prends le roi, Kada. Ah ouais. Je sais pas, j'ai jamais regardé les échecs, moi. Je joue pas. Moi, j'ai regardé la réussite. 13 rounds, une manche. Ça se. Une manche, c'est toujours 13 rounds. C'est toujours. Une game. Non. Premier à 13, ouais. C'est ça. 13 points, 13 points. Ah oui, une manche, c'est 12 rounds. 12 rounds. Faut écart de 2. Ouais, après, si il y a les prolongations. C'est 12-12, hein. Allez les gars, faut qu'on se réveille. Allez, pitié, au moins chercher un petit 4 rounds ou 5 rounds même. En side défensif, ça peut faire du bien. On est dans un BO3 en plus. Le problème c'est qu'ils sont en B, hein. Le problème c'est qu'ils sont en B, on a stack à 4 en A. Là ils sont en B, je pense que Magic leur a donné l'information, il y a Lucky Joy qui va être claqué. Oh le boom, bonne chance Magic. Bonne chance mon gars Magic. Mais attends, parce que derrière on a un bon flank, hein. On a un très bon flank. Ils s'en doutent. Ils ont l'info sur nous, sérieux? Après on a envoyé le stand marketing, on a envoyé tout ce qu'il fallait, hein, donc Oh la belle flash, est-ce qu'il va réussir à prendre un kill, mais malheureusement Yopak qui va tomber, Yuta, faut le faire tomber, Yuta, non, ok, nice. Marcinho, 3v3, le spike est planté, on a encore pas mal de stuff. Marcinho, Magic, les gars, Magic cantine. Allez, Magic, le duel contre Apir qui peut être très important, le Sova, il faut le faire tomber, Sova. Dommage. Aïe, ça touchera pas malheureusement. Allez Marcinho. Dommage, mais c'est pas fini. On est vu pour Martinho. Nice. Excellent ça Starkey. Qu'est-ce qu'il faisait celui-là? Le last. Ah non, il manque aussi avec celui-ci. Oh l'ulti raise. Ah, on peut pas diffuser. On peut pas se biff, frère. Là il veut assurer le round, hein, 100%. Starkey. Non. Non. Ouais, Starkey. Ok, nice. Excellent. Oulala. Elle est dure cette game, hein. Bon, on démarre pas très bien. Là on démarre pas très bien. En fait, je suis rassuré parce que c'est pas un BO1. Mais ça fait peur quoi, ça met mal à l'aise quoi. Je suis gêné là. La pause, c'était pas la plus opti, hein. Fracture. Faut mettre gars, un maître round en attaque, enfin en défense et. Et voilà. C'est quoi la moyenne sur fracture attaque défense? Franchement, si on en met 3-4, c'est bien des rounds sur fracture là. Ah là, vu comment c'est parti, oui. Vraiment, non mais même en général. C'est vraiment orienté à Tu dois faire du dueliste. Un joueur qui crie du jeu et tout le monde va se réveiller. Juste un mec qui clutch et ça part. Allez, on est en écho. Pour l'instant, le clutch ça va être compliqué. Ça c'est big, c'est ce qu'il nous faut pour démarrer le round. On prend des gros dégâts sur Starkey, mais au moins Spike et Yuta sont tombés. Deux joueurs clés de chez Cicadas. Oui, en plus on a une compo attaque, hein. Continue de dire que c'est compliqué, Thomas. Continue. Les gars, ça va être dur. Je pense que ça va être infaisable. C'est dur. Ça va être infaisable. Impossible. Martinho, attention. Attention, ah oui, là ils vont clutch. C'est un flash à part de Martinho. Ouais, là ils vont clutch. Laissez tomber en 3v2. C'est impossible. Voilà la dribble. Je crois que c'est loose, les mecs. Je les ai vraiment vus en train de jongler avec leurs armes sur le site. Oui. Starkey, Magic, je poucave Sam. Ouais, non, mais voilà, ça jongle. Ok. Capitaine qui prend ses responsabilités. Réel, mon gars. Regarde, c'est les deux là, Magic et Starkey. Ils s'en fait une petite passe D. Je poucave. Bon, ok, c'est bien parce qu'en plus, je vous le rappelle, mais c'était une écho. Enfin, c'était pas une écho, mais c'était un bail. C'était un force bail. C'était un force bail de merde en fait, tu vois, en gros. Ouais. Et là, il reste 3 rounds, ils vont tout le temps acheter là. Ça y est. Ouais. Oh là là, ouais, là on est bien là sur l'arcade. Oh, attention, Yass est un petit peu dans la merde. Ok, on s'en sort. On va reculer, il joue que en B pour l'instant, ils ont jamais fait un round. Oh Yass. Yopa. Incroyable. Ok, le site Brimstone qui va être claqué, Yopa. Bah, Yopa il est testé, attention, ils sont sur le BP. Ils sont sur le BP, Martino qui se fait travers, pas qu'il réussit encore à faire un kill sur Yass, mais qui est ce joueur? Et dehors. Starkey, Starkey est 2. Starkey de 2. C'est gros, allez, Magic.
Magic, tu peux le faire en 1 contre 3. Il l'a déjà fait, il a déjà fait mieux même en 1 contre 4. Il a réussi. Il a ulti. Il a sorti une situation. Ils ont récupéré le spike. Oh non, Taming. Oh, oh non, c'est bien, c'est bien, c'est très bien, c'est très bien. Oh, il s'infiltre. Allez, pitié, pitié. Oui. Ok. Tower, 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 écoute-moi. Les deux, les deux. Tower. Tower, tower. Tower, il va pas soupçonner les deux en fait. Oui. Oh, il l'a vu. Il l'a vu, il l'a vu, il l'a l'info. Nice stun by the way. Non. Oh, il avait tellement bien joué. Il le mérite, frère. Attends, c'est deux, c'est que deux coups de couteau l'ulti killjoy. 3, 3. On a mis 3. Il méritait. On n'oublie pas, on cherche à mettre le maximum de rounds en attaque, en défense, pardon. Et Il a encore des armes là, ça va. Ils peuvent faire des rounds là. Ouais. Ça, ça, si on fait 8-4, c'est un autre avantage. Ah, il le méritait le dernier kill. Hein. Mmh. Magnifique. Non mais le crosshair placement de ce mec. Allez, on a des armes, on a qu'une bulldog sur Magic. Yopa. Malheureusement qu'il va tomber, Yopa. Parce qu'il se repositionne. Allez, c'est pas encore. Ah, Starkey qui tombe, Marty l'abril. Non, Martino, j'ai cru qu'il allait en faire deux. 2v4. Attention, BZT, il a l'information, j'ai l'impression qu'il était prêt à tirer sur Yas, mais ça ne touchera pas. Bien heureusement, Yas qui se replace, qui peut faire peut-être quelque chose avec Magic en flank. 2 contre 4, il le faut ce round, il le faut. Magic and Bulldog. Et on a la double POV. Oh Magic, excellent Magic. Gros serre placement de Magic. Et là il bait. Incroyable. En fait là ce qui est bien c'est que du coup il bait, maintenant il est vu Yas. Ah il est les 9. Ouais. Il faut lâcher cette killjoy, magnifique. Oh Magic, Magic, il a failli avoir un timing. Allez, oh non. Oh c'est dommage. Oh non, mais putain. Et là on est en écho. Enfin on est en écho, là on a pas de sous, c'est le dernier round du side défense. Les gars, si nous mettent 9 rounds en attaque, on peut leur mettre 9 rounds en attaque. Pour activer la curse. Faut aller chercher la 9-3 curse. Ouais, non mais qu'on soit clair. Sur fracture les gars, c'est vraiment une même attaque. Si jamais ils nous mettent 9 rounds, on peut leur en mettre 10. C'est dommage. Fracture ça marche pas contre nous, mais elle marche avec nous. Oh, là. Très beau kill là. Non mais là je suis dégoûté Estre poteau, c'est trop dinguerie. Ok bon, dernier round avant qu'on change de side. En fait c'est un BO3, on peut même choke une game, même si je pense qu'on va revenir. Mais on préfère éviter quand même. Ouais, vaut mieux éviter parce que un BO5 a plus la place de te permettre une erreur. Mais en BO3 là, ça veut dire que si on perd la première game, on est direct en mort subite. Et on veut vraiment pas. C'est la dumps. C'est pas ce qu'on cherche, non. Ouais. Tac, on rappelle les mecs, en playoff de Coupe de France, il n'y a pas de loser bracket. C'est décisif les BO. On va les faire reculer. On a Yuta qui a peur de s'infiltrer au dish. Faut qu'ils se cover entre eux. Comme ça, ils peuvent faire des 1-1 trades. Ils sont meilleurs individuellement. Ouais. Mais là, c'est ce qu'on fait. Oh là là, là Magic, la position. Le crossfire. Oh non, la flash. Dommage. Oh Magic de kill. C'est bien. Magic de kill, il arrivera pas malheureusement à faire non. Plus. Il faut se rondir. Attends, il reste Yas, il reste Yopa. Il y a deux ultis. Ouais, il reste Yas et Yopa. Yopa, il a son ulti. Encore pas mal de stuff. Oui. Excellent. Et Yas. Oui, ça touche. Nice. Oui. 2v2. Okay. 2v2. Allez Yopa. Dans ta bouche. Allez mon petit cœur. Allez mon petit cœur Yopa. Oh les deux sont morts. Non. Non. Ils étaient alignés je crois. Ils sont alignés. Et fracture, ça se boxe pas l'autre map. Hein. Oh, c'est vraiment pas notre map. C'est vraiment pas notre map. Hein. Attends, on va voir ce que ça va donner en attaque. Faut gagner le gun round. Faut mettre le gun round impérativement. En gros, Slayer Koba. T'as vu celui qui gagne le gun round, il a de l'argent, tu vois. Et ça veut dire que là. C'est... Exactement comme CS. C'est à dire que si on perd le gun round, bah, ça veut dire que pour le round à 12 points, on n'aura pas de sous. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. C'est la fin. Là, y a plus le droit à l'erreur, là, de toute façon. Mais là, ils sont covers, c'est déjà mieux passé. Mais faut pas flip, genre là, faut. Ils savent ils sont où et les autres ils savent pas. C'est quoi, attends, regarde, je leur envoie un message, d'ailleurs, je leur dis ce que je viens de me dire là. Il faut pas flip. C'est bon, je leur ai dit les gars, ouais. Faut pas flip. Ils ont trade 2 pour 2, ils ont l'info sur la map. Ils peuvent Ouais mais en fait ça va vite tu vois. Ouais. Incroyable Slayer coach. Ok
Ok, on va jouer le A dans la dish. Attention à Sova qui est en haut. On va le punir ce Sova. Nickel ça. Ça reste dur. Un pour un, on a le site. On va planter le spike. Ils sont allés tellement vite. Magic qui réussit à récupérer un kill sur Brimstone, ça c'est bien. On n'est pas naïf, allez, on n'est pas naïf. 4v3, s'il vous plaît, I beg you, please. Starkey, Starkey qui va tomber malheureusement. 3v3, faut que qu'on joue le temps. Oh, attention, Marty. Wow. Ouh là 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 là. Marty, 1 HP. Allez, aïe. Oh, Magic, triple kill de Magic, allez. Contre 1. Oh, sur la banane, il est long, je pense que... Marty meurt, mais Magic est là. Magnifique. Oh là 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 là, il a refait le cerveau. Incroyable. Quadra kill de Magic qui nous permet. Rounds, il est tellement important. De survivre. Ah oui, il fallait vraiment pas le perdre celui-là. De toute façon, même si Magic il mourait, je pense qu'il avait pas le temps. Mais ça fait plaisir. Il lui a percé le vaucer, moi je me permets de le dire. Ah, il vise bien celui-là. Hein. Ah, il vise bien. C'est une petite pépite, ouais. Oh là là. Quoi cette game de fou là, frère. Franchement, si on arrive à planter tous les rounds, on est trop bien avec la compo qu'on Magic, a, on se plante. Il a vraiment un aim de zinzin, Magic. Ouais. Attention. Des réflexes. Attention, 4 shérifs, 1 scout. C'est un petit peu force quand même. Ça peut faire mal, 4 shérifs. Une balle dans la tête, c'est une balle dans la tête. Faut pas qu'on se la prenne. Ouais, il reste quand même à 3 sur 1. Bon, premier sniper. Allez. Et là, ça va push derrière. Magic, faut faire attention. En fait, la round comme ça, c'est très fort, le sniper, parce qu'il peut one-shot. Can we have some smokes? Ah. Attends, wait bro. C'est ça que t'as entendu. Voilà, non mais je lui ai dit, parce que je lui viens de lui envoyer un message. Les smokes, frérot. Let them think we are not here. Oh, Magic. Et la Magic. Ouais, il court tellement vite, j'absens. Il a le fantôme en plus, hein. Là, faut. Ouais, faut pas qu'il la perde. Ok. Il est mort. Mais c'est planté. Et non, c'est pas planté. Là c'est dangereux là maintenant. Oui. Ok. Oui. Oh là là, Yass. Excellent. Et Yass. Allez, plante-moi ce spike. On va planter un endroit un peu plus safe quand même. Magic qui va tomber, 3v3. 3v3, attention parce que. Magic qui perd sa fantôme du coup, hein. Voilà, oui. Incroyable, Starkey. Encore. Pas récupéré. Du taki est assez loin, qui va passer par le main B. Je pense qu'il a attendu, Il peut tuer Starkey avant d'être vu, si je sens. Ok. Oui, monsieur. Personne. Nickel. Et là, le bruit. Wesh, le bruit de la spike, ça rend fou. Le bruit de la spike. Tuc, 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 là, ça me rend fou, wesh. Vous dites le ou la spike, les gars? Le spike. Normal. Le spike, la bombe. Ok, route très important. Pourquoi? Parce que là, du coup, ils ont claqué leurs sous, on a des sous en réserve, on est en route bonus. Eux, si jamais ils le perdent, ce qui nous arrivait tout à l'heure, eh ben, ça veut dire qu'ils repartent en économie et on a envie de les renvoyer en économie. Donc, si jamais on arrive à mettre ce round alors que eux, ils ont pas de sous et que nous, on est en route bonus, eh ben, on est très très content. Les gars, Yass devient la menace actuellement. Ouais. Ah, on est dans son sac. Et en plus, on est bien armé là. En vrai, on a pas un round bonus de merde, tu vois. On est pas en mode spectre ou shérif ou quoi. On est quand même pas mal. On a 3 vandales. Enfin, 2 fantômes et une vandale. 2 vandales et une fantôme. Objet d'acheter à full. La Starkey et Marty, ils ont gumball le rune, mais faut le mettre. Mentalité Blue Lock. Allez. Mentalité Blue Lock, je te jure, frère, centre de formation. Y'a c'est Yopa, c'est Blue Lock. Allez, t'as pur. Allez, y'a que Yuta pour tenir ce site pour le moment. On a le Brimstone qui va essayer de le rejoindre. Et Yass. Oh, le chose qui a été. Oh là là, une balle. Sakan, Sakan, un pour un. Allez, avec moi cette vandale. On va dish, dish. Tire. Ok, dommage, 3 dish, 4v4, on a planté Spike, c'est un excellent round bonus déjà pour l'instant. Ok, il est pas vu, Marquinho. Voilà, pause. Ok, il est pas révélé. Faut rester grave, reste grave. Reste caché, Marquinho. Martinho, c'est son chargeur. Drakill de Martinho et on renvoie. On renvoie Sicarios en économie. Je crois que c'est un triplé, il s'est fait voler le dernier par Yass. Non, c'est pas du vol, oui. Il avait plus de balles. Non, il l'a sauvé. Il l'a sauvé, frère. C'est du vol. Pourquoi la vente n'a que 25 balles? Et franchement, le mode observateur, si jamais c'est comme ça l'année prochaine aussi, c'est trop bien. Oh my god. J'espère que ce sera comme ça tout le temps là. Franchement, ça tue.
Allez. Il nous manque juste que Yopa il se remette en jambe et c'est tout droit. Quel arrêt ennemi déjà, plus de grenades. Yopa, on le rappelle, 16 ans, première compétition officielle. Premier BO. Voilà, premier BO 3, première playoff, premier tout. Yopa ? Ouais. Ouais. Et Yopa, vous le savez, hein, il a. Même la dernière fois. Des fois, il a besoin d'un petit side pour se remettre d'aplomb. Mais quand il se réveille, Yopa. Quand il se réveille, Yopa. Allez. Moi, je peux vous le dire, moi, c'est pas Slayer, Yopa. Pardon, mon petit cœur Slayer, pardon. Gratuit. Hello, I'm NFT. Dis-toi, Kada, là, Yaz, je le vois comme dans Blue Lock avec Laura, là, dans les yeux. Oui, avec les yeux qui sortent. Ouais. On est rentré sur le site et il y a absolument personne, ça veut dire que c'est free pour nous. On va pouvoir prendre l'espace bien comme il faut. Par qui va jouer les line-up, voilà, faut faire comme eux. Faut pas que ça collapse. Exactement. Ok, faut pas Eminem. Se donner trop facilement, il faut pas se tromper, il faut pas prendre de risques. Bête, le spike est planté, on doit juste temporiser. Faut pas s'éloigner trop, faut se cover. Comme ça peut faire des 1 pour 1. Allez, Starkey. Non, le shoot. Oh, Starkey. Qui prend qui se l'est impeccable, Martinho, 3v2. Marti. 3v2. Allez, pause. Parfait, impeccable. Parfait. Les gars. Voilà, parfait, on prend pas trop de dégâts. On vous l'a dit, Zuppy. On vous l'a dit, vous stressez, attends. Ouh. calme. Calmez-vous les mecs, calmez-vous, Fracture c'est particulier. C'est une map attaque, Fracture. Et je pense que ça va être une pause pour Sicarios. Oh Starkey, non mais attends, c'est trop bien, je suis trop content. En gros, pour ceux qui s'en étaient pas rendu compte, avant, les replays, c'était les replays qu'on avait forcément déjà vus, qui étaient déjà passés à la caméra. Maintenant, il y a des replays d'autres POV qu'on n'avait pas vus à la base. Et ça, je vous jure, c'est trop bien. Vous vous rappelez la dernière fois quand j'avais eu le penta de Yas? Eh ben on avait pas pu le voir parce qu'il était pas passé sur le truc de base. Là en gros si Yass il fait un ace et qu'il passe pas dans la caméra en direct, eh ben on pourra le voir dans le replay. Et ça tue. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là tu penses, il dit quoi le coach de Cicadas? Là il dit oulala. Les mecs, il y avait 8-2 et là comment c'est possible? Gros, là il dit à Spike frérot faut que tu joues parce que tu joues tout seul poteau. Il a dit là, vas-y Spike, parle. Voilà, c'est toi le coach maintenant, vas-y. Spike dit quelque chose. Non, y'a pas ma cam dessus. Je comprends pas, Yass il est trop fort. C'est pendant les replays c'est à peu près en grand, sur l'écran là, à peu près ici là, tout ça là, toute la zone en fait. Yass il est trop fort, Marty fait la drill. Ils sont tous musclés en face, je sais pas quoi faire. Mais comment ça se fait que tu sais faire l'accent portugais toi? Bah, je connais. T'as comédien. Non, j'ai beaucoup joué à Fortnite. Oh là là, dinguerie, Wachi. Racisme. Mais c'est mon jeu préf. Mais quoi? Mais je vais péter un câble, j'avais un coach. Ok, mais c'est quoi le rapport entre Fortnite et les portugais? Bah parce que j'avais un coach portugais qui me parlait en français, genre avec l'accent. Pardon, excuse-moi, j'ai cru autre chose. Ouais, j'ai cru autre chose. Wesh. Attends, mais comment ça t'as cru autre chose Thomas? C'est toi le problème du coup? Mais toi aussi t'as cru autre chose du coup, c'est toi le problème aussi du coup poteau. Allez attention s'il vous plaît. Focus. On peut se concentrer? Oui, on peut se concentrer, ils sont armés. Ils sont armés et si cas. On remet ce round, on les renvoie en économie, vous le savez maintenant, vous commencez à comprendre. Là par exemple, on a un petit là, plan dessus. Là dites-vous ce que Macam elle cache, on s'en bat les couilles. Juste un plan du dessus. Vous voyez c'est le sûr, en vrai, par contre, ils font des efforts maintenant sur Magic, la régie. Oh Magic, c'est quoi le plan là? Magic, j'ai l'impression qu'il se fait one tap. Oulala, yo. Yuta, très dangereux, attention, qui prend un doublé. 3v5 c'est faisable encore, on a l'ulti sur Marcelinho. On va le claquer. Oh là là. Oh le C4. Oh my, on a ice, oui, on a ice. Yes. Yass la menace. Ok, la spike elle est good. Oh Starkey. Okay. Oh non dommage, il a pas réussi à prendre les deux. Oh là là, ils sont vraiment low. On a l'ulti de Martinho. On a l'ulti de Martinho. Yass. Ah. C'est bien, ça a pas touché malheureusement. Non. Allez Yass, en mode shonen. Pas passé loin, c'est dommage. Yass, ah, ça c'est dommage. C'est dommage, ouais. mais on est blindé d'oseille. On peut racheter largement encore ce round, le round d'après. On peut les mettre vite en half buy. Donc voilà. En mode chômage. Ah ouais, en fait, ils sont. Masterclass. C'est dans le chat, c'est pas moi. Non, ça c'est. Tu vois là, il met ses deux kills là, tout est changé. Ça passe à pas grand chose. Close. Allez, time out très important parce qu'on n'a pas envie d'être en 12-6. Vas-y, Wachi, fais le coach. C'est tout au mur. Les amis, on a beaucoup d'oseille. On a beaucoup d'argent.
Là, il faut faire. Il va le faire, il va le faire, il va le faire. Il faut qu'on soit solide. Qu'on soit en béton sur l'attaque. Et qu'on soit incassable. Oh, tiens. Il faut sortir les munitions. C'est une folie, moi, tiens. Je suis désolé, les Portugais. Vraiment. Les gars, les Portugais, vraiment, je vous demande pardon de la part de Wattier. Spike, il est joué en attaque. Un peu à gauche. Il s'appelle Wattier, il habite au 12. Wesh. Allez, c'est reparti, là c'est très important. On a vraiment envie de gagner ce round là. On peut pas être à 12-6, vraiment, vraiment. On veut pas jouer avec cette petite boule au ventre, avec ce stress de pouvoir tomber à chaque round. Allez, on a des sous, on a un opérateur sur d'ailleurs sur Yas, ça fait plaisir. Ça surprend. J'aime bien le voir avec des opérateurs ce petit bonhomme. Et là qu'est-ce qu'on veut faire nous côté job life où on veut enclencher. Faut que Yas arrive à prendre un solo kill sur B ou. Allez. Oh non. C'est loin. On va casser le stuff. Ils piqueront plus. Ils ont l'information. Ah, c'est tout or die. Ah, il a sorti le gros snipe. Ils ont ulti killjoy et dans les uns quand même. Allez, on accélère, Yopa qui rentre sur le BP. Attention, il y a une annie de killjoy. C'est cassé. Okay. On les a fait reculer. Attention, parce que ils ont l'ulti killjoy. Hein. Ils ont l'ulti killjoy, je pense qu'ils vont le claquer. Le spike est planté. Ouais. Ok, là par contre faut reculer, faut aller se tirer dans le main. Après, on a les line-up, hein. On a les line-up histoire de. Ouais, on a les line-up, on a loupé, on a tout ce qu'il faut pour tenir. Hein. Juste qu'on gagne un peu de temps. Seul problème, c'est qu'ils ont des smokes, quoi. Du coup. Attention, Magic. Magic, il va réussir à prendre un kill. Malheureusement, il se fera pas derrière, Starkey. Marcillo, très solide, Jazz. 4-1. Let's go. Allez, Yopa. Nice. Yopa. Yes. Let's go. Incroyable. Il s'est chié dessus. Voilà, c'est un monde. Voilà le coach. Novax, il a tellement troll le duel. Ah gros, il a décoré autour du Yopa. Je te jure, frère. Et Spike un petit encadré. Spike qui est en mission 1v9, frère. Ah, c'est ce qu'on a dit, hein. C'est que c'est l'avion, hein. L'avion tout droit qui est arrivé hier soir. Ah, c'est lui le russe. Ouais, c'est lui. Il avait un ping français, il a fait wesh. Ouais, ça va vite ici. Waouh, c'est fluide. Ah oui, vous en avez parlé en plus. Oui, je me rappelle. C'est le mec qui utilise un VPN et tout. Plein d'histoires comme ça. Vraiment, Charles Ramen. C'est super méga fast. T'as un mec qui joue à CSGO depuis qu'il est né, hein. CS, ça existait avant que tu naisses, Slayer. C'est trop une dinguerie. Qui a demandé Magic. Ouais, Magic, oui, solide. Incroyable, le cancer placement. Tu lui feras pas, Magic. On va pouvoir. Non, un filtre ulti, non, pas du tout, on va revenir. Oh là là, le A est donné là. Et ça, c'est pas beau. Ouais. Allez, pendant ce temps-là, on a Magic qui va directement se replacer avec la tyrolienne. Il va pouvoir être problème, dans le back. C'est que nous, on le sait pas, on devrait leur mettre un rollac aux joueurs histoire qu'ils puissent voir comme nous. Ce serait pratique. Bah ouais, c'est plus simple. C'est ouvert, c'est gratuit, on plante bien tranquillement. On a l'ulti Starkey, il faut qu'il joue. Voilà, Starkey va rester main, cover par Magic. Il y a la mollo, il y a l'ulti. Ok, l'ulti, on va le claquer. Ulti agressif. Oh, Starkey. Oh, on joue le send instant, c'est incroyable. Excellent, la tour est contrôlée instantanément. La molly. Allez, 5v3, celui-là on le perd pas. Tac. Le spike est planté. Personne ne viendra tower. C'est contrôlé par Job Life. Allez, qu'est-ce que tu veux toi? Oh là 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 là, bien joué ça les amis. Le doublé, incroyable, parfait. On perd aucune arme, hein. Ça c'est parfait. Si ça c'est pas beau. Et là ils ont force ou ils ont pas acheté ce round? Non, ils avaient pas acheté, c'est en écho. Ils avaient pas de sous, ok. Donc là ça veut dire que si on leur remet ce round, ils ont plus d'argent. Exactement, Wattier, tu comprends vite. Tu comprends très vite, okay. Mon gars. Toi t'es dans la bourse, toi, ça se voit. Dans les finances. Pas du tout. Faut juste faire attention. Ulti raise, ulti sauvage. Ouais, mais on a l'ulti killjoy. Proche de l'ulti de Brim, proche de l'ulti de Breach. Ça va être dangereux s'il les débloque. Déploiement du drone.
Allez, 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 il faut encore 3 rounds. Juste 3 rounds pour les rattraper, c'est rien du tout. On peut le faire. Et surtout, ce round-là. Oh là là, et on est tous dish. Y'a personne sur notre chemin. Ouh là là. Les gens le savent pas, mais. Oui, on le sait pas, on le sait pas. Putain, non, Sam, il faut qu'on pense à leur mettre un Wallach. Pitié. Investissez les mecs, ça. Je pense pas que ça me si cher. Magic là. Oh, Magic peut-être. Ils l'ont vu. Oh, dommage. Oh, mais non. Dommage. Non, mais du coup, on sait du coup que là, il y en avait 3. Oh, Yas. Oh là là. Oh, Yas. Oh là là là. Yopa aussi. Mais Yas, non, mais Yas, ce mec. 3v2, 3v2. Yas, pitié, les frères, pitié. Il a l'info, il va se repositionner. Oh. Ah, malheureusement, Yopa. Qui croulera. On a la bombe de poser. On a la bombe de planter. Yas, il est trop bien placé. Oh, il a l'info. Yas, il a l'info, il le sait. Et c'est Frag. Oui. Allez, 2v1. 2v1. On a l'info de la race de toute façon. Le russe fou. On a des line-up là. Starkey, ça sent le mec qui a une line-up. Ouais, ça, ouais, il est bien positionné. Il a une line-up ce mec. Je le vois. Il a pas de. Pas de line-up, hein. Bon, attention, parce que là, s'il avait pas lâché. Ok, Starkey, très bien. Okay. Et s'il avait pas les lâché, il avait le temps de diffuser. Hein. Ouais. Les gars, c'est un retour en écho. Et ça, c'est magnifique. Ok, 9-11, on est bien. On a toujours l'ulti de Killjoy. Hein. Mais là, c'est dommage, c'est là, pour Magic. C'est vrai. Non, je te jure, là en vrai, c'est bien. On a toujours l'ulti de Killjoy, on peut aller en B, on va le planter, on va faire tout ce qu'il faut. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, hein, dans mon livre. Mais les gars, mais Yas. Après, ils peuvent le détruire, c'est juste ça qu'il faut faire gaffe. Hein. Avec quoi? Avec l'ulti de Sova? Sova, ouais. Mais ça peut être un bait, quoi. Oh, après, là, c'est une écho. Il y a l'ulti Brim aussi. Une écho, faut juste assurer. Je pense qu'on n'a pas envie de mettre l'ulti Killjoy sur une écho. Hein. Ouais. Et je pense que même de pas claquer l'ulti Killjoy pour garder l'ulti Sova et garder l'ulti Brim, tu vois, comme ça, eux, ils le claquent pas non plus, ça peut être une bonne chose aussi. Oula, Marty, peut-être sur le pic, sur Spike. Faire attention au timing là. Aïe, ok, ça sera du 1-1. C'est rattrapé. Il y a pas qui ça déroule toujours. La nade, le stun. Oui, crête. Oui, il est mort. Le combo. Mais vous l'avez recruté chez les Lakers, c'est quoi, Yas, frère? C'est du basket avec les grenades. Yas, on l'a recruté du fin fond de... T'imagines même pas. C'est même pas ce qu'il a traversé, poto. Et Magic non plus, frère. Il traverse pas une bonne passe, Utah. Mais les gars, je comprends pas. Wesh, Magic, il. Magic, il reste pas de balle. Il est sous CBD, poto, à se faire ci, frère. Excellent. Wesh, il a consommé quoi, frère? Il a un temps de réaction. Allez, la remonte là, les mecs. Je vous le rappelle. Incroyable. On était en 0-5. On était en 0-5. Ça commence à voir. Ça a marqué FF dans le chat. Ça a marqué FF, hein. Qui a marqué FF? Qui? Dans le chat, poto, y'en a, il marquait FF. Là, bizarrement, j'en vois aucun, là. Là, bizarrement, y'a plus personne, là. Y'avait 10-2. C'est normal, ils sont bannes, mais... poto, ils sont bannes. Là, ouais, ils sont nuls, un peu, le Brimstone. ils sont nuls, ouais. Moi, je suis sûr qu'on est bannes. Quand c'est la plante en 3v5, mais... Enfin, 3v4. Là, les gars, on met ce round. Ça veut dire qu'on passe en 11-11. Ils auront plus de sous. Oh là, ce round, il me fait peur avec l'ulti de Bridge, là, par contre, juste. Ah, mais frère, on est trop. Y'a pas de quoi avoir peur, Yopa qui va claquer l'ulti. Oh mon dieu! Attention, on est reveal. Yas. Est-ce qu'il veut trouver un kill? Yas, non, c'est un petit peu compliqué. L'ulti Sova qui va être claqué. Qui va toucher personne? Qui va toucher personne? Starkey! Oh l'ulti, Starkey! Oh là là, let's go! Oh Yopa! Yopa, il a mis des bons dégâts. Il a mis des bons dégâts, Yopa, mais il est tombé malheureusement. On est encore très low. On a encore 4v4. On est en direction. 4v4, mais sur B. Ulti Killjoy. On a ulti Killjoy, ils peuvent pas nous le péter. Et ça? Ouais, ils ont pas d'ulti Brim, pas d'ulti Sova. On a mal géré nos ulti côté Cicadas. Ça va revenir dish, les gars, ça va revenir dish. Bon, ça va. Bon, on se rejoint tous au niveau du dish, mais je crois qu'on va aller, on va passer Arcade. Vers le D. Ouais, y'a personne. Il a un snipe, l'autre là. Attention, parce qu'il est low HP, Yas. Yas qui est low HP. Ouais, mais Yas, ce sniper, justement, regarde du mauvais côté pour le moment. Starkey qui prend de l'espace petit à petit. Oula, par contre, là, ça devient dangereux, sniper. Petite smoke. Est-ce que Starkey, il a des smokes encore en poche? Ouais. Oh, il en reste, mais après, est-ce qu'ils vont pas le faire en slow, on sait pas. Il va mettre l'ulti de toute façon, je pense. Ouais. Ok, l'ulti Killjoy qui a enclenché. Koba Slayer, ça en gros, si jamais il y a quelqu'un qui est dans la range de l'ulti, il peut plus bouger, il peut plus courir, il peut plus mettre d'attaque, il peut plus rien faire. Genre, il est. C'est de Satchel là. Oh, il va aller chercher. Oh non. Allez, 3v2. Starkey Marcilinho. La drill. Pour défendre ce spike. Après, on a l'info sur tout le monde. Il y a le bridge chez l'eau, hein. La WAP. Allez, c'est pas le moment de prendre des risques, hein. Honnêtement, c'est pas le moment de prendre des risques. On a fait une bonne remontada. Faut juste attendre.
Là, il a une line-up là. Non. Oh, Marty est trop bien positionné. Ouais, ils l'ont vu, ils l'ont vu. Non, non, ils l'ont pas vu. D'où ils l'ont vu? D'où ils l'ont vu? Ils l'ont pas vu, sûr, ils l'ont pas vu. Je te jure qu'ils l'ont pas vu. Incroyable. Ils l'ont vu? Ouais, ils l'ont vu tout à l'heure. Oh, Marty, c'est bien tenté. Et là, dos au mur. Plus droit à l'erreur. Heureusement on a des sous. On a de l'argent. Hein. On a des sous. Bien heureusement. On a des sous. Mais là, faut plus de choc. Faut plus de choc, les gars. C'est un BO3. BO3, ça va super vite. Si on perd la première game derrière, on est dos au mur. On joue la boule au ventre. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est jouer le cœur léger. Ils ont claqué tellement de choses. Ulti de Sova. Ulti de Bridge aussi, non? La dommage qu'on s'est un peu donné. C'était close en vrai. Le duel s'y prenait. À quel moment ils l'ont vu, ces connards là? Je sais plus, mais je sais qu'à un moment, on les a vraiment vus se tirer dessus. Au sein du tower. Allez, pitié, allez, 10-12. Allez, pitié. 10-12, 14 bureaux. Do or die. 10-12, 14 bureaux. 10-12, 14. Allez. On a envie de jouer ce A. Ils sont 3. Il y a la Killjoy, il y a le Sova, il y a le Breach. Ça peut être dangereux. On peut très vite se faire punir par une flash de. Allez. Une flash de Breach, un stun. Ok, on va réussir à stun les deux. Donc qui a envoyé. Oh dommage. Dommage, on voulait tuer le Sova pendant qu'il était sous drone, qu'il bouge pas. Ça aurait pu passer. Si ok, on va finalement aller sur le B, il y a la res qui nous attend parfaitement sur le. En provenance du main. Allez, on peut le faire. Il faut gagner ce duel. Pitié, Yas. Il faut le mettre. Yas, oui. Yes. On a le meilleur joueur de Cicadas qui tombe. Allez, on dézone partout. Et là Noah qui va faire attention à Arcade. Ouais, il check Arcade mais y'a personne Arcade, on en a rien à foutre franchement. Voyons s'ils sont là. On va détruire l'arrow. J'espère qu'il va être planté, Yopa. Oui, incroyable. Incroyable. Attention à des travers hasardeux, il faut tenir le main. On s'est avancé pour Starkey, on a pris l'information. Starkey. Oui, très belle prise d'information. Oh, dommage. Incroyable stun. Dommage. On a pas réussi à le pick sur le... Le timing du stun, ça passera pas. Allez, 4v3, faut pas de choc, il est très low HP ce Sova. Yas aussi, Yas qui va mourir malheureusement, 3v3. Incroyable. Oui. Oh, Yopa, il est très bien placé, il est tellement bien placé, Yopa. Oui. Excellent. Yopa qui fait le boulot. Course. Oh là okay. Là, 11-12, tu sais quoi? Gros, on a été en overtime contre MDR, tu me dis on va pas aller en overtime contre eux? J'y crois pas. Je veux pas y croire, frère. Par contre, pour de vrai, genre, on a regardé le rediff de leur game à Cicadas. Très souvent, ça va en gros overtime, genre 15-17, des dingueries comme ça. Oui. Hein. Ouais. Que des scores de. Marathon, genre. Ils sont forts, Cicadas, hein. Alors, leur raise, elle fait le taf. De toute façon, vous le voyez. Leur raise est forte, ouais. Non, mais là, Yopa, qui normalement est une bête mécanique, là. Yopa était une bête d'intelligence. Ça fait plaisir. Ils ont pas tant d'oseilles que ça. Ouais. Ah, y'a un shérif, hein. Ouais, y'a que 3 armes. Y'a un shérif et un stinger. Faut pas de choc. On a double ulti, hein. En plus on a double ulti. Hein. Attention parce qu'on le sait, ça nous est arrivé contre MDR. Où des fois, le dernier round il était en écho et on a réussi à le perdre. Quand on va balancer l'opérateur par terre. Pas envie de jouer opérateur. On l'a jeté dans les abysses, hein. On l'a jeté dans les abysses. En fait, on voulait juste prendre un pic en B et si jamais il y a personne, on repart à la vandale en gros. Mais ouais, alors on le voit tout au fond. Si quelqu'un veut le récupérer, ça lui coûtera sa vie. Domaine. Mais s'il vous plaît, il faut pas de choc. On met ce round et on part en prolongation. Soit ils le mettent. Et on enclenche direct en multi. Qui touche sur Utah. Hein. Il faut rentrer sur Utah. Tiens, Yopa, oui, voilà. Incroyable. Attention, Utah. Martino, il va tomber. On a l'information maintenant sur cette Killjoy. On est 4v4. On va essayer de récupérer le maximum d'espace possible. Attention, ils sont 3 dans notre dos. Il y a deux lignes qui ont été posées. Le Brimstone est encore là. Starkey, j'espère qu'il a une line-up. Je vois qu'il a une line-up de loin. Il doit en avoir une, non? Starkey. On a un ulti. Là où il est. Là c'est Starkey qui fait le round, non? Ouais. Là c'est Starkey qui doit le faire. Ouais, là c'est Starkey qui fait le taf. Allez Starkey. Allez, on doit gagner un maximum de temps honnêtement. 3v4, il y a les nanites. Nice. Ok, l'ulti Magic. Magic qui va tomber mais on a encore 2v, 2v3. Yopa qui a fait tout le tour. Oh. Les gars, Yopa qui a infiltré. Il est pas vu. Oh, y'a la molo qui a été claquée, ils peuvent pas diffuse. Allez, pitié, y'a le half. La moitié. Allez, Yopa. Incroyable. Oh, il est mort. Oh, ils sont morts, j'avais même pas vu. Incroyable. On est en prolongation. Il brûle. Oh là 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 là. Cassiné, frère. Incroyable. Starkey, la molly plus l'ulti. Je suis bloqué sur ma chaise. T'as cramé, Moto, t'as cramé.
Thomas, il va tomber. Non, c'est bon, c'est bon. Il est mort de la mollo, hein. Il est mort de la mollo, il a voulu. Bah, en fait, il a voulu se hâter pour pouvoir diffuser. Et il a, ouais, il a pris un type. Il a pris un type de mollo, je pense. Il y avait une smoke, il y avait une smoke, il l'a peut-être pas vu. Non, mais là, Yopal. Smoke. En plus, attends, mais parce que en plus, quand Starkey jette la mollo, il est smoke. Bah, non, il la voit. Ouais. Bah, il la voit, il la voit, il la voit, mais. Oh là là. Ouais, time out, c'est bien, c'est bien. Wati, le coach. Là, le coach, il dit calmez-vous, hein. Grande respiration. Les amis, c'est très solide. On va gagner cette partie. Tout va bien se passer. Pourquoi t'as dit c'est très solide? Juste par hasard. Mais non. On empile étape par étape. Mais t'es vraiment qu'un gros raciste, hein, Wachi. Mais j'ai rien dit de bizarre, ouais. Tu sais que ça va te retrouver, les Portugais, Wachi, hein. Mais je parle comme un coach, allô. Tu sais que les Portugais, c'est un peuple de zinzin, poto, hein. Ils vont t'attraper, hein. Mais j'ai rien dit de bizarre. Wesh. Vous voyez un sous-entendu? Au cas où, je te préviens, Wachi, hein. Ils vont te déconstruire tes membres. Tu vas être choc-bar. Allez. On toi aussi, Thomas, vous savez que les Portugais vont vous retrouver, vous deux. Attends, hein. Mais quoi? Mais frérot, falloir... je suis pas raciste, j'ai joué Miguel raconté. Mais attends, mais t'es pas portugais, t'es espagnol. Il était brésilien. Il parle quelle langue au Brésil? Il parle quelle langue? Il parle quelle langue? Espagnol. Ouais, ouais. Et toi, quand tu dis que portugais, tu parlais pas. Moi, les portugais, je vous aime. La vie de ma mère, mes voisins, j'avais une grande famille de portugais, ils s'appelaient les De Almeida. On jouait tout le temps au foot ensemble, c'est trop méga. On était comme ça. Réel. On était comme ça. J'ai des potes portugais. Et Wati, t'as des potes portugais, toi? J'ai fait 5 persos portugais. Oh putain, j'ai cru un mec. Allez, on se focus pour prolongation. 2 points d'écart ou ciao. Ok, ça exec le B. Oh, Martinho. Oh là là, Martinho la drill. Gun. Non, Martinho, il pourra pas, il était flash. Après, il l'a pompé un peu, hein. En plus, ça va être chiant, fracture, parce que en gros, l'attaque, tu la mets et après, il faut mettre la défense, tu vois. Ça va être que ça tout le temps. Oh, ce truffe là. Oh là 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 là, ce qu'il vient de mettre. Là, ça va être dur, hein. Ça va être dur pour Magic en situation de 1 contre 5. Oh, sa mère. Mais Magic. Ouais, mais bonne chance. Solide sur ses appuis. Ouais, mais bonne chance. Magic, ça peut être un monstre, hein. Tu mets. Même McGregor, il le fait pas le 1 contre 5. Allez, active l'œil d'Arthur Morgan, pitié. Même ton gros daron avec sa grosse Mercedes, poto, il pouvait pas clutch là. Wesh, pourquoi mon daron il a pris une balle perdue? Ok, et là maintenant, il faut qu'on mette l'attaque. Oh là, Marty qui se fait flash. En fait, elle le satchel. Non, mais attends. Et là, ce qu'il met. Non, ma bite. Non, il cheat. Il cheat. Putain, là maintenant, on est encore deux au mur. Il a 30 kills. Il a double de kills de son teammate. Allez, les gars. Allez. On va se concentrer. En fait, la tourelle. Ah, ça, l'opérateur sur C13 qui peut être très dangereux, mais il est terré sur B. Si on veut retaber, ça va être très dangereux là. Plus droit à l'erreur. Si on perd ce round, on passe à la game suivante. Le SBO3, c'est la première game. Il faut des bons petits dégâts sur Killjoy, il a flash. Attention, ils sont flash. Oui, Yass, il vient sauver les meubles. Oh, il vient sauver les meubles, Yass. Et on va se repositionner. Aïe, aïe, aïe. 2 pour 2. Parti. 2v3. Pied. Bon. Aïe, aïe, aïe. Et là, on a un V3. Compliqué. Allez, 1v3 de Magic. Il y en a déjà mis, hein. Il y en a déjà mis. Là, c'est. Là, c'est clutch sur. Or, see you in. C'est quoi la prochaine map? C'est Binds. 40 secondes. En vrai, il a le temps. Allez, tic-tac. Attention à droite. Aïe, aïe, aïe. C'est une défaite. Première défaite dans ce BO3. Mais une sacrée remontada quand même. Ouais, une sacrée remontada. Pourquoi ils rigolent? En puissance, hein. Pourquoi ils sont morts de rire? Arrêtez de rire, bon. Qui cache derrière leur sourire là? Tout le temps, dès que l'écran est pas sur les casters et qu'on perd, ils ont le sourire aux lèvres. Non, c'est bon, regarde, t'as vu à droite, il a arrêté de rire. T'es un bon, mon frère. QLF Enda. QLF. Il s'est dit, oh merde, il y a la caméra, il va encore se rendre compte que je rigole tout le temps. Aïe, on perd la première game. On perd la première game, et fait mal celle-là. En vrai, c'est leur map, hein. Oh, c'est leur map. Il est revenu tellement de loin. Il y avait 10-2.
c'est vrai, Kada, tu l'as dit, c'était leur map. Mais bon. Allez, allez. Mais bon, t'as vu si on était, si on était remonté, on aurait été tellement heureux, sérieux. Après, Imo, on aurait start en attaque, ça aurait été différent. Ouais, on aurait eu le momentum. Tu aurais eu le lead. Tu rebanquais sur les choix du coach. Je pense que ça aurait rien changé. Ouais, je pense que ça aurait rien changé, moi non plus. Okay. Bien sûr que l'on c'est pas fini, bien sûr que l'on c'est pas fini. Là, il y a directement une deuxième game qui va démarrer là dans quelques minutes. C'est loin d'être fini. Il faut juste ça, que... c'est des bâtards, moi je te le dis. Il faut juste qu'on mette, deux wins d'un coup là. Après, moi dans mon livre, Fracture ça nous a un peu choc bar. Dans mon livre, Fracture on s'attendait pas. Ouais. Pas la map qui nous définit quoi. Mais je pense juste qu'on voulait leur donner de l'espoir, tu vois. On fait semblant, on leur donne la première game. On va aller voir Magic, il va dire encore une fois. Guys, it's for contents, contents. Choc barre de bis. Ah. TTF a sorti la clip. Attends, je connais ce son. C'est un son de l'album? Ouais. Là, je crois. Ils avaient mis un extrait, ils me l'avaient fait écouter. C'est trop le mec qui a des exclus. Ok, on écoute. Putain. Ah, c'est juste c'est sur Spotify. Prochaine map bind, les mecs. Faut les baisser, plus droit à l'erreur. Hein. Plus droit à l'erreur, les amis. Hein. Là, c'est do or die. J'aime trop dire ça en ce moment. En fait, c'est Yopa qui a mis cette phrase dans la tête. Ouais, elle l'a tweeté. Ouais. Et du coup ça me l'a mis. Les gars, regarde le clip, mais c'est pas terminé. Attention, le BO3 va continuer. Quelques minutes. Je fais une petite pause juste. Pour l'avoir entendu, ce son en plus, il est incroyable. Ça se trouve, je suis dans le clip. Je veux traverser le temps, te voir grandir et dire que ne lâche pas tes rêves une fois en tête, tu pourras dire que pas de place pour les fautes, suffit d'y croire, l'amour ne dure que le temps d'une histoire, laisse du noir dans l'espoir pourvu que j'aime pas d'âme si je fais du mal sans savoir. Pourvu que j'aime pas d'âme si je fais du mal sans savoir. Laisse-moi faire ton histoire. Ne pardon, c'est pas oublié. Ouais, je suis miraculé. Quand j'ai tort, c'est vrai, chuté. Tu m'es faut toujours assumer. Et le décor, toujours là, c'était bientôt. Voilà, job life family. Moi, je m'en rattends, on écoute le clip de DTF. Non, te laisse pas inciter. Pourvu que j'aime pas d'âme si je fais du mal sans savoir. Pourvu que j'aime pas d'âme si je fais du mal. Laisse-moi faire ton histoire sans savoir. J'ai perdu le fil à la lampe. Wesh, il a deux couplets. Tu sais pas assez. Un peu de soleil éclaire la tête. Donc je sors une petite paire sur le zen. Je suis condamné. J'essaie de comprendre la vie d'agro tant d'années. Le papier, besoin de moyens. La routine me casse les couilles, gros sans arrêt. Faut s'en aller, ouais. Ah, je suis le mal aimé, le mal aiguisé. Je viens de là où le mal est né, où ça sent épicé. C'est malheureux, l'ardoise a grossi chez l'épicé. C'est chaud, le temps passe vite. On n'a pas assez profité. L'aiguille tourne dans le vide. Quand je suis loin de ma vie. Je trouve incroyable le son. Merci Incognito. Il me fait penser à Bibi un petit peu. J'aime trop. C'est déjà un classique. Bah, il fait déjà partie du préféré de l'album. Ça.
Quel class? Attends, on nous voit là encore? Le... Non, le... Karma? Ouais, de Karma. Parce que là, c'est un son de la réédition. Ah, ok. Tu vois ce que je veux dire? En plus, c'est fou que... Wesh. Tout à l'heure, je regardais une interview, là, il sort un clip. Ah ouais, tu regardes une interview de... Ouais, bah ouais. Ça va, Moura? Ça, ça... Attends, c'est Wachi? Ouais. Ça va? Ça va, et toi, Thomas? Et Wachi? Ouais, ça va, la pêche. Pourquoi tu parles dans un gobelet? Merci, Alex, merci, Baki. Bah, c'est mon micro, quoi. Qu'est-ce qu'il dit, les casters? T'as Spike qui prend toute la place, quoi. Ah oui, The Big Spike, il est trop fort! Les informations, 9 entries pour Spike sur cette rencontre. Merci, Knip. Très, très solide, Yuta qui repart avec la VIP de première map. Mais ce n'est pas terminé, vous le savez, puisqu'on est en format BO3. Donc on le sait, on le sait. On va partir sur la prochaine carte. Mesdames et messieurs, on se retrouve du coup après quelques minutes. Et ouais, on ira directement sur Mind. A tout de suite. Ça marche, dépêchez-vous, Valorant FR. 6 minutes. 6 minutes d'entrée, ça va, Mora? C'est long. Tu m'as dit quoi, si ça va? Oui. Ouais, ça va et toi? Ouais, je t'ai montré, j'ai fait un taper pour mon projet cheval. Oui, attends, putain, j'ai vu. Et vu que c'était pendant la game de LoL, j'ai pas regardé encore les vidéos. Là, c'était en sortant du coiffeur, mais là, ça a changé, alors, après la douche. Ça fait un taper. Ouais. Et il est bien ou... Bah, franchement, c'est le début du projet chevelon, quoi, mon frère. Hein. Oui, voilà, c'est le début. Hein. Bah, c'est bien, ouais, c'est sympa. Je sais pas ce que t'attends de moi. En fait, c'est le début. C'est un beau taper que t'as, Mora. Je demandais justement, genre, si. En gros, le projet, il est cassé ou pas. Parce que soit tu sais le début comment c'est. Moi, je t'aurais même dit de pas faire taper. Je te l'ai dit en plus. Non, hein. Mais c'est chaud, voilà, c'est chaud. En fait, je ressemble à Heidinger. En fait, genre, ça poussait sur les côtés, mais au-dessus, il y avait rien. T'es un beau, Mora. Non, je t'envoie sur Insta aussi si tu veux. Non, c'est bon. Je t'envoie sur Toulouse ce que tu veux. Non, bah, c'est ok, bon, bah, t'es con, je t'envoie sur WhatsApp. Pardon. Non, je t'assure, c'est bon, t'inquiète. Non, je t'envoie là, non, direct. Non, c'est bon, t'inquiète. Non, t'inquiète, Mora, je jure, c'est bon. Je te jure, je vais regarder. Je suis en pas dérangé, désolé. C'est mon frère. C'est une singerie. Je suis en mode avion. Montre. Ah oui, pardon, Mati. Oui, t'as pas coupé. Non, mais c'est bien. Hein. Il faut jamais que ton coiffeur il dépasse ça, en gros. Ouais. Mais tu sais que j'ai mis la pression un peu. Hein. Genre, je lui dis, ouais, je vais voir que des coiffeurs, ils sont tous nuls. Je lui dis, là, je veux vraiment un truc propre et tout. Il m'a dit, ouais, t'inquiète pas, mon frère, je vais m'en occuper, etc. Mais c'était un blédard un peu. Ouais. Et alors? Bah, franchement, parfait. Je suis parti dans la ville de Mister You et de Brulux à Belleville. Franchement, je recommande. Belleville! Ma souris s'est éteinte. Ah non, c'est bon. Les gars, je. Putain. En fait, Morat, mais t'as pu regarder les BO5 ou pas de LoL? Eh, hey, gros, j'étais au travail. Carrément, je. Mais Morat. J'ai risqué. Non mais j'ai regardé. Ah, okay. Justement, j'ai risqué ma. Je te jure, mon supérieur, il m'a regardé en mode là t'es en train de merder. Mais genre, je pouvais pas louper ça. Mora, je pouvais pas parce que il y avait 2-0. Ensuite, tu sais, je me suis dit quoi? Je me suis dit, eh vas-y, on reste encore une heure. On est en train de perdre. Là, je vois quoi? Troisième match. 2-1. Je vais i. Ensuite, je suis dans le métro. J'ai plus de connexion. Je réactualise. Merci, mon frère. Genre 20 ou 30 minutes après. 2-2, je fais non. I. Je fais I. Troisième match. Je me dis, mais attends, on est en train de gagner. Tu sais, c'est le fight Nashor là. Ouais. Et là, il y a un tout droit de l'espace en mid lane. Je fais A. Non, franchement, c'était incroyable. Mais attends, mais c'est quoi ce train de live de fou là? Le train de live doré. Je sais pas, frère. La team Octobre, il est bientôt 20. Ouais, il est 19. Préparez-vous. T'as leak l'émission qu'on doit faire ou pas, Thomas? Quelle émission qu'on doit faire? Ok. T'es un zinzin ou quoi? Merci Walien. Il est fou ce mec. Allez les gars, à 50 000 subs. Thomas, je dis un truc. Hein. Ouais, dis-moi. T'es dans le navire, mon frère. T'inquiète même pas. Là, je suis pas dans le navire. Là, je suis dans les vapes. Je te jure, depuis 15 heures, je suis en train de cast, poteau, je suis à bout de force. Là, j'ai juste besoin qu'on leur mette 2-0 et qu'on passe à autre chose. J'avais un pote Renan, il s'appelait Abou, quand j'étais au centre de loisirs. Pourquoi t'as précisé sa couleur de peau? Bah... Ça, j'ai jamais vu autre... Luxe. Bref. T'as jamais vu quoi? Un bout blanc?
Dis quoi? Hein? Mardi? Ok. J'ai dit il fait froid. Il y a la clim au local, hey. Oh, il y a la clim. Ah, tu parles avec le micro de ta cam, Wati? Ouais. Bah... Oui. C'est pour ça que je t'ai dit tu parles dans un gobelet. Non, c'est... Merci, LMR Mathieu. Non, c'est le Blue Merci Meeting. Merci à WarriQLF. Attends, si je tapote le... On a loup sur LoL? Non, on n'a pas loup sur LoL. On n'a pas loup sur LoL. On a juste pas gagné. Les gars, en gros, pour ceux qui viennent d'arriver sur LoL, on a perdu 3-2. Contre Gamer Origin, top 2, équipe top 2 LFL, demi-finale EU Master, équipe trop forte sa grand-mère, il y avait 0-2, et on est revenu à 2-2, et on a perdu la dernière sur un push mid qu'on aurait pu défendre. Merci Alino, merci beaucoup mon frère Alino, ouais j'étais un sub. Merci mon frère. Genre la troisième game, on aurait pu la gagner, je vous jure, en plus on aurait pu la gagner, on aurait pu éliminer Gamer Origin et passer la Coupe de France. C'est trop énervé. Merci Gel Polo. Merci Gel Polo. Les gars. Pour le cap adoré. Et en plus, ils ont tellement tryhard Gamer Origin. Dites-vous en gros, pour ceux qui ont raté les games, eux, ils étaient là, Tristan Amid, Rel toutes les games et tout, je sais pas quoi. Nous, au bout d'un moment, on a mis Maître Yi support, on a mis Tryndamere mid. Frérot, ça a joué Malphite jungle. Et on les a baisés sur notre propre terrain, frérot. Et oh, trop fier de l'équipe. Trop fier de l'équipe, sa mère. De l'équipe LOL. Incroyable. Map de qui là c'est notre map. Là on va jouer Bind et Bind c'est notre map. J'arrive je teste avant que ça commence. J'arrive. Vas-y. Et la dernière map, je sais plus c'est quoi la map neutre. C'est Lotus, la décider map. Oh putain. Non Lotus c'est bien. Non Lotus c'est. Non Lotus c'est bien. Non Lotus c'est cool hein. C'est qui à droite et à gauche? Ouais. C'est Weeper et Ebash. Et merci Dripso. Merci beaucoup Dripso. J'ai pro son outfit. À Emash? Ouais. Il est là, Emash SN. Jure là, il est revenu. Il a fait une opération des yeux. Attends, ce qu'on envoie avec son outfit là. Ça... Ah, le bâtard. Ok, et du coup, on va jouer Bind, c'est quoi? Ouais, Lotus. Attends, la chance, il a suffi son bruit, Wati. Ça, c'est ma map préférée. Bind. Ouais. Moi, c'est... Enfin, celle-là, là, ouais. J'aime bien Bind, mais j'aime encore plus Ascent. Ascent. Ouais. Il a dit quoi, Frisk Orléans? Il a dit quoi, Ascent? Il a dit quoi, Ascent? Frisk Orléans, pardon. Oh là, mon gars, je suis trop fatigué, sa mère. Il a dit quoi, Frisk Orléans? Il a dit quoi? C'était pas grave. Franchement, heureusement, j'étais trompé parce que j'ai une punchline vraiment tout droit sortie de l'Allemagne. Donc, moi aussi, je suis fatigué, là. Ok. Wow. Non, mais attends, wesh. Ouais, j'ai rien dit, j'aime bien. Faites pas de sous-entendu. Non, non. Bon, la famille. Oui. On a gagné ou on a perdu le premier match? On a perdu de peu, de deux rounds. Ok, ok. Mais on a fait une remontée fulgurante. Avec les conseils du coach. D'ailleurs, pour l'instant, le coach avait prévu ce qui allait se passer. Hein. Le coach, il avait dit... Non, je dis pas, je dirai à la fin ce qu'il avait dit, le coach. Quand lui... Le foreshadowing du coach. Je suis en train de voir des messages là qui ont été envoyés il y a à 17h40. Et pour l'instant, MILS. Et n'hésitez pas à aller sur coro.fr. Coro.fr, c'est quoi coro.fr? Je sais pas, c'était les sponsors de la ligue. Oh, est-ce que les gens dans la cuisine, vous pouvez me ramener la résistance de ma CE et du Sopalin, s'il vous plaît, les frères? Et je comprends pas. En fait, depuis que je fume du sel de nicotine, frérot, en 5 jours, mes résistances, elles sont cramées. Ou peut-être que tu tires plus et que t'es plus stressant en ce moment. Faudrait que je demande à Vignette. Ben non, parce qu'en plus je fume à 11 watts maintenant. Du coup, pourquoi t'avais combien de watts de base? Bah de base, en gros, moi je fumais à genre 26-27 watts. Et quand tu passes en celle de nicotine, il faut fumer à 11 watts. Ok. Tu vois? Tu tires pas de longtemps? Ah ouais? D'ailleurs, ceux qui fument des puffs et qui fument des cigarettes et tout, et que vous avez 16 ans, et que vous trouvez ça stylé. Eh, vous êtes pas stylé, vous avez juste l'air de gros trous de balle, je vous le dis tout de suite. Ils sont pas là, s'il te plaît. Non, j'en ai pas. Ouais, je viens de niveau 8. Ouais, je crois que t'as pas doré. Merci Walien, merci mon frère. Je crois que je tire plus longtemps. je crois que je tire plus longtemps parce que vu qu'il y a moins de watts, eh ben du coup, genre, j'ai pas beaucoup de fumée. J'ai juste relu ce qu'il avait dit Thomas, les frérots. J'ai la ref. Oui, bah oui, je l'ai. Okay, okay. Je m'en rappelle. Ok, du coup, on joue Bind.
Du coup, merci, merci Thibaut. Ok, du coup, on joue bind. Raise. Oh, oh, oh. Quoi, quoi? Yass, il joue Yoru. Yass encore? No way. Non. No way. Le mec, il mélange vraiment tout. Mais attends. No way. Quoi, quoi? Non mais Sam, il, quoi, a, le il a écrit surprise, chapeau, chapeau. Tiens. Oh, il va le faire. Il va aller dans le mid, il va courir tout droit, il va faire Zamasu, c'est un clone. Oh, ça va être dingue. Ça va être dingue quand tu vas faire ça. On fait refaire Wachi. Surprise. Ok, viens, on imite le plus d'influenceurs en 30 secondes le temps que ça commence. Vas-y, commence. Surprise. Et je dois deviner. Vas-y, c'est qui ça? Vas-y, Wachi, fais le tard ça. Salut BG, surprise. Bichou. Yeah. Bon, les amis, je suis coréen. Oui, félicitations. Babson. Atroce. GMK. Ah non, c'est GMK. Ah non, mais non, c'est pas GMK, c'est. Merde, comment il s'appelle? Non! Ravus! Oui, Ravus, bah oui, bah. Il a dit son nom. Salut tout le monde! Aujourd'hui, unboxing d'un colis Logitech. Avant que cette game commence! Abonnez-vous! Un animal! Ouais! Bart. Bon garçon. Homer Simpson! Oh, mais là! Bonjour YouTube! Game 2! La game juste avant, j'étais en train de manger. Là, je suis en train de changer la résistance de ma CE. Oui, vous ne rêvez pas. Oh! Oh, j'ai cru qu'il tirait sur nous. Et voilà, j'ai cru. C'était une imitation ou c'était toi, là? Non, c'était moi. Ok, merde, j'ai cru. J'ai cru qu'il tirait sur nous à travers le mur. Ok, YouTube, une seconde. Là, je suis en train de changer la résistance de ma CE. Tout à l'heure, j'étais en train de manger. Oui, je suis toujours occupé, je suis toujours en train de faire des trucs. C'est invivable, hein. Vous voyez comment je suis trop chiant. Oh là là, on est en attaque et on a pas de sentinelle. Il a dit quoi, Demo? Il a dit quoi, hein? À chaque attaque. Ok, re. Ouais. J'ai un raté. Ok, attention, parce que là, le Cypher, il a mis sa petite webcam. Shower, mais il y a Opa qui a réussi à prendre le meilleur sur nos wax. Il y en a deux qui vont tomber. Trois qui vont tomber, allez. 5v2, on est un petit peu low HP. Il faut quand même respecter un petit peu les adversaires. Ouais, mais c'est pas mal, c'est Yoplay, les amis. Yoplay, parce que oui, je l'ai. On est 3. Spike, il joue plus du LS du coup. Spike, il a décalé. Oh, Yopa, il a réussi à faire le kill. 4v1. Allez, attention, parce qu'on est 3 low. Hein. On est 4 low. Une balle dans le corps de chacun pourrait nous tuer. Et je vous jure qu'il peut le faire. Là, c'est bon, faut juste jouer le temps. On a touché une balle. Voilà, Martinigno qui va sécuriser le round. Incroyable. Grille, coup de couteau. Grrr. Le gun round est remporté. Mettez leur cheville. Bon, j'ai rien à dire, mais pétez leur fait. T'as capté ou pas? Et il est trop fort, Martinigno. C'est vrai qu'on a pas de sentinelle. Ouais, est-ce qu'on en a vraiment besoin sur cette map? Parce que c'est un prérequis d'avoir un sentinelle, j'ai pas l'impression. Hein. Ouais, franchement, pense... c'est une sécurité en défense sur le B. Ouais, c'est toujours bien, mais là, je pense qu'on joue l'attaque. Et de toute façon. Ouais. De toute façon, entière confiance au coach. Si le coach il a dit, les gars, jouez double dueliste, pas sentinelle, alors c'est qu'on peut jouer double dueliste sans sentinelle. Ouais, il va pas dire ça au hasard. Donc, bon. Vous savez, là, c'est pas. Qui est Eden Hazard? Le mec, il parle qu'avec des refs maintenant, à partir de maintenant. Allez, c'est parti. C'est le coach, c'est pas. Et alors, ils sont pas solo queue en mode, oh putain, les gars, on a pas de sentinelle. Ah, oui, c'est le coach. Oh, Yass. Est-ce qu'il tombe là-dessus? Ok, Yopa. Yopa pour la rivelle. Attention, Noah qui arrive à prendre un double kill avec son chéri. C'est bon, Starkey s'est arrêté. Très bien joué de la part de Noax. 3v2. Magic Starkey. Oh, attention. Aïe. Ok, ils rentrent l'écho. Ils ont rentré cette économie et ça fait mal au cucu. Ils ont stack le A. Problématique. Et écoutez, Wachi, je vous jure, il fait que des tapines. Tout le temps. Mais n'oubliez pas, vous savez ce qu'il a dit, CH? Écoutez bien, concentrez-vous sur ces phrases. Et tout le temps, il fait que des tapines. Tu sais ce qu'il a dit, CH? Je suis fini. Hein? Non, il a dit la meilleure défense, c'est l'attaque. Ou la contre-attaque. Juste rester solide sur les appuis et ça part instant, Michael. En fait, Wachi, Otto, normalement, c'est toi l'expert de Valorant et t'as aucune analyse pertinente. Genre, t'es là. Non, moi je vais le dire, Wachi. T'es là, frère, je t'invite au casque parce que t'es censé. T'es censé être Rimo. Poto, t'es là, tu commentes les games, tu dis, oh, Yopa qui est mort. Frère, donne-nous des vrais trucs. Oh, attention, Yopa. Attention, Yopa, malheureusement, il est tombé. Il voulait nous satchel dans le. Dans la bass room. Ouais. Non, dans les shower. Et là, attention, on a une information magnétique. Aïe. Oh là là. Après, on est en écho. Hein. On est en écho.
Il faudrait qu'on arrive juste à faire tomber des armes un petit peu. Attention, il a un clone, Yas. Il a réussi, à trouver un boitchot. On a bien d'avoir ce round, hein. Même c'est très dur, on a bien d'avoir ce round, les bons dégâts de Yas. Ouloulouloulouloulouloulou. Moi j'ai ce qui va tomber. Starkey avec son deagle. Starkey en 1 contre 5 avec un vilain petit gosse qui peut faire un truc. Non, malheureusement, c'est un peu compliqué. Aïe. Ok, on a des armes. On a des armes, c'était une écho, je vous le rappelle. C'était une écho. Allez, ce round là, très important, il faut le mettre. On a 5 vandales, enfin 5 vandales fantômes. Il y avait le bout de l'arme de Yopa qui s'est passé. Là, regarde là, tu vois, le kill sur Magic, il est expéditif. Dès qu'on a l'info, dès qu'on il est reveal, on le tape. En fait, il a pris le trap, je crois que c'est le trap de Cypher qui l'a reveal. Ouais, sûrement. Alors, ça, franchement, je comprends pas comment il fait le kill. Hein. Parce que là, il a aucune vision sur lui. Allez, pitié. Allez. Attention, c'est dangereux. Si y en a deux, le long. Spike. Okay. Il était attendu. Nice, Yas, qui fait la différence. Il est bon, Yas, encore. Très important de ne pas perdre ce round, les frères. Vous savez, vous commencez. Yopa qui va passer au-dessus de la nade. Yopa. Oh, Yopa. Excellent. Ok, 2 kills. 4v2. Yopa, allez, peut-être. On veut pas perdre d'armes. On veut pas perdre plus d'armes. On a les informations. Enfin, je pense qu'on sait que les deux sont CT. Ouais, on sait que les deux sont CT. Yopa, il faut planter Spike. Il faut pas perdre d'armes. Et pas perdre d'armes aussi. Pas perdre d'armes, très important. Putain, ils ont pas été détectés, mais on doit se douter qu'ils sont elbow, je pense. Putain, on a un doute, ils sont pas derrière en fait. Je pense qu'on se doute qu'ils étaient CT les deux, du coup, ouais. Il y en a un qui garde l'elbow, l'autre qui garde le CT en fait, l'entrée principale. Et là, tiens, Yuta qui peut être dangereux. Apir qui commence à avancer également. Pas d'Artois, Martinho, pas d'Artois. Ok, il a l'info. Et. Allez, Marty sans perdre d'armes. Vas-y, Marty. Sans perdre d'armes, Marty. Starkey en V2. Mais non, les gars, non. Ah non, hein. Ah non, là, on est pas censé le perdre. Ah non, là, je suis pas d'accord. Ah non, faut pas qu'on perde des comptes comme ça. Et là, je trouve que ça nous renvoie en écho, frère. Là, on est pas content, hein. Là, je suis inquiet. Là, je commence à être inquiet. Là, c'est chiant. Non, c'est pas inquiet, mais là, c'est. Moi, je suis énervé, là. Bah, dans le sens où mauvais début de game, quoi. C'est ça, dans le sens là que j'ai inquiet, hein. Frère, on est 4v2, on a les pauses. Bah, on est pas, c'est le pire ce round, hein. Les mecs, faites confiance au coach. Ouais, je fais confiance au coach, frère, mais. C'est pas. Oh là là. Thomas, fais confiance. Ah, je fais confiance, frère, au coach. Mais là, c'est pas le coach, là. Fais confiance, Thomas. Allez, pitié. Là, on a forcé côté Yas, on a acheté. Une Guardian, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Starkey, ok, il a réussi à lui trouver un shot quand même, Starkey. Ouais, mais il y a la Sky qui va heal. Hein. Malheureusement, 145. Ouais. Mais on réchauffe les malheureux comme on peut, mon frère. C'est vraiment lui craque son shield. Prochain duel, on pourra. Allez, pitié. On essaie peut-être d'enclencher sur B, on a eu pas qui est déjà avancé. On est en écho, hein. On a 3 shérifs, une Guardian. C'est vraiment pas évident. Il y a la TP du roux. Ok, Yopa, il est rentré sur le side, malheureusement, ils étaient 2. 3, ils sont 3. Oh là là. Là, on n'aura pas fait tomber la moindre arme. Ok. Ça commence à. Non, mais on va se wake up. On va se wake ouais, up. En fait. Dis-moi. Là, ils sont en train de baver sur le keyboard, mais là, ça va le faire, regarde. On a 4 ulti, hein. Là, non, c'est dommage qu'il survit à 4 HP, hein. Enfin à 5. Aïe, dommage. Allez, là, je refuse qu'on perde ce round là. Tout le monde achète, ouais, on a il faut 4 pas. Ulti. On a 4 ulti, plutôt. Ça y est, à un moment, faut se réveiller, frère. On a perdu la première game. Au début de la game, on a rien fait. On a attendu le comeback pour revenir. Ouais, faut arrêter de se faire peur en fait. On aime trop Chuck Lurly et après réussir à revenir. Mais le problème, c'est que. Faut se bâtir direct en early solide. Yopa. Avec le bazooka? Non, je pense qu'il trouvera personne, malheureusement, peut-être au niveau de la window et encore, ouais. Okay, oui, mais Spike. En fait, c'est pas grave parce que quoi qu'il arrive, il est zone. Tu vois, tout le monde recule quand t'entends un ulti. Pistier magique. Oh, le timing! Non, mais sérieux! Non. Ok, il a 10 HP. Ok, enfin. Non, ok, c'est bon. Novax qui tue Marc Silly. Non, 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 non. Yopa. Oh, il est pas entendu. Yopa? Non, prête à ton couteau! Oh! Mais fais-moi fermer ma gueule! Allez, Pistier.
Allez. 1v1, 1v2, 1v2. Merci l'ami. Ça fait mal au cul, ça fait mal au cul. On est reparti en écho, hein. On est reparti en écho. Un early compliqué. Franchement, c'est dommage. La Spike, il est pas censé prendre ce doublé. Oh, le MS de Zinzin, en plus, il lui met ça. J'ai pas peur de moi. J'ai pas peur de le dire. Là, heureusement que Paris va récupérer le kill au final. Hein. Oh, il a voulu le swing. Ouais, ça joue là. Ouais, ça joue. J'ai une... bien mérité. Tu vois, je suis en train de faire juste pareil avec mon frère. Ouais. Et y'a un mec de la job life, il me reconnaît genre en fan. Mm-hmm. Pourquoi il est pas là à regarder le match? Il faisait du sport aussi, ouais j'étais choqué. Ah merde, c'est pas le moment. Ouais. Ça se passe pas trop. Ouais, là c'est pas très content là. C'est encore faisable. Non, bien et là sûr. Il doit leur dire une tactique sombre les frères. Ne vous en faites même pas, tout est entre les mains de la job life. Des couilles, là on a besoin de couilles. Ouais, je suis choqué, j'ai sorti faire des sports et y'a un mec qui il m'a reconnu. T'as pris une photo avec lui? Il m'a pas demandé. Il m'a dit, ouais, pas mal ton maillot. Il m'a dit, tu portes la job life? J'ai dit, non, c'est mon maillot. Il était choqué. Allez, y'a R, en soi y'a que 4 rounds qui nous séparent de Cicadas, mais c'est juste qu'on aime bien se mettre dans cette mauvaise posture. Se mettre en derrière et c'est stressant en fait. On se met dans une situation, on est stressé, on joue avec une boule au ventre. Faut prendre le lead un peu de la game. Je dois attendre. On a l'info, on est arrivé, enfin on a été repéré par le Cypher. Allez, pitié, faut faire tomber Spike, il est trop dangereux ce mec. Attention à Pierre qui attend de pied ferme. Okay, on va claquer l'ulti, fait l'histoire de rentrer. Attention à Pierre. Aïe, il est pas vu, on regarde pas la lampe. Allez Yass, il est bien placé Yass. Oh non, du coup ils ont l'info. Yass, non. Oh, il est devenu. On en écho. Aïe. Allez, c'est pas fini les gars. C'est pas fini, mais ça fait mal au cul. Ça fait mal au cul, Zabi, frère. Oh là là. Ça commence à se voir, hein, Spike. On commence à s'en rendre compte, là, ton Wallach. Allez, 5 games, enfin 5 rounds, on remonte. Ça y est, shérif, y'a plus d'excuses, vous me le mettez ce round, on a besoin les frères, on a besoin. Il faut faire de l'exploit individuel, il faut des têtes. Il faut rentrer sur site. Mais faire quelque chose, juste faire quelque chose qui pourrait au moins nous redonner une petite lumière dans cette game. Allez, attention, le duel. Oh, dommage, c'est pas loin. Je pense qu'on va pas tarder à... Enfin, non, est-ce qu'on a envie de rota, sachant qu'il y a Cypher sur A? Ah yes. Allez. Une bulldog Yas. Y'a un clone. Attention. Noax peut être dangereux, hein. Noax peut être dangereux là où il est. Nice. Le clone qui a réussi à bait, Yas qui a réussi à prendre le kill sur Spike. Oui, Yopa. Maxilio. Allez, 5v2. 5v2, on a récupéré des armes. Pourquoi y'a besoin d'avoir des shérifs pour faire des trucs? Pourquoi? Oh, incroyable. Ah, il a. C'est 50 le plante. 50 le plante. Oui. Ok. Allez, okay. C'était. Allez, Yuta. Nice. Ok. Doucement, mais sûrement. Allez. Faut gratter. Imparfait, et on joue notre jeu et on les tue. Voilà, Slayer. Là, ils ont du stuff là. Et il a pas pick Riven aussi, Slayer. Il a pas pick Riven. Pourquoi il a pas. J'ai joué mon jeu, hein. J'ai joué mon jeu, je l'ai solo kill. Pourquoi il a pas pick Riven? Non, il sait pas, je crois. Je crois qu'il est pas au courant. Oh, Marcinho, il a réussi à lui mettre un one tap. Mais là, on voit parfaitement ce qui nous manque, hein. C'est juste réussir notre duel. Des couilles. Des couilles, juste oser. La réussite surtout. Le mot, c'est la réussite. Des couilles, oui, un charbon. One flash, ban.
Y'a un mec qui écrit LOL comme Valo, ils sont éclatés au sol, ban, ban. Il va être ban, d'accord, dis pas vote, poto, dis pas vote, pourquoi tu lui donnes de l'attention? Est-ce que lui va se faire ban? Je lui nique sa mère, c'est bon. Wesh. Il a choc partout. Et c'est dangereux. Je te jure, son équipe préférée, elle serait fait exploser 3-0 en 20 minutes contre Gamer Origin. Mais ça, j'adore son blaze, le mec, en fait, ça, le truc est drôle, Thomas. Ça, j'allais. Bah les couilles, bah les couilles. C'est bon, wesh, c'est bon, laissez nous regarder la game, s'il vous plaît. Allez. Est-ce qu'on a un ulti sur Yas? Non, on a pas d'ulti. Non. Non, on a zéro ulti de up, mais là, Max, attends. Si Yoru qui arrive à l'ulti là. Ouais, là, il va rentrer dans l'ulti de Viper, il va tout récupérer. Ah non, on l'a donné à qui? On l'a donné à Magic au final. On a changé, on l'a donné à Magic. Ulti. Ulti brime, y'a clone qui a réussi à bait. Yopa, oui, Yopa. Incroyable. Et en plus, on a fait tomber la Viper, du coup, y'a plus l'ulti Viper sur le site. Allez, on plante. On est free, c'est quoi ces smokes là? Wesh, c'est. C'est qui mettait des smokes en ligne comme ça déjà? C'était Furax. Allez. Oh. Attention, faut plus pique. On a le spec qui est planté, faut attendre, y'a la WAP en plus, enfin, y'a l'opérateur pardon qui est au niveau ouais, du CT. Faut gagner du temps là. C'est nice. Et... Excellent. Attention, ouais. Voilà. C'est ouais, évident. Faut pas pique. Hein. 3v3. Ok, on a l'ulti, on a mis l'ulti Yoru. On essaie de lui casser un petit peu les couilles. Aïe aïe aïe. Ouais. Contre 2. Incroyable. Oh non! Ça se joue à rien. Dommage. Rien, un grain. Mon ultime est prêt. Désolé de lâcher. Aïe. Restez hors de mon chemin. Regardez mon là. Putain, on avait super bien réussi l'entrée. Bah ouais, le début il était bien, mais juste je sais pas ce qui se passe. Regarde, tu vois, on a pris 3 duels. Mais après, la raise met une dinguerie pour toi. Hein. Ouais. Là, Yas il fait le taf. Il sort de la smoke. Regarde, le crosshair est sur la tête en plus. Hein. Je sais pas si tu l'as vu, mais le crosshair était sur sa tête. Dommage. C'est BO3, les mecs. Mec, si on perd, c'est fini. Last chance. Allez, it's okay, guys. On a gros la lampe, hein. Voilà, c'est joué, Yas. On veut expéditif. Ça y est, on porte nos couilles. Ça y est, on a marre d'être des petites sasa à toujours fuir ou prendre des duels. Hein. Allez, on va les chercher. Et frère, on a battu des équipes bien meilleures. C'est notre lead, c'est notre game. C'est nous qui mettons le rythme maintenant. À partir de maintenant, c'est nous qui contrôlons. Allez, 5v3. Faut juste pas pick, on a le contrôle. Attention, c'est topé. Oh, Yopa! Voilà. Ta grosse tête là. Hey. Bravo, c'est pas grave, c'est rien ça. 4v2, on prend l'info. C'est pas grave, pourquoi tu dis oh, Yopa? Voilà. Loulou. Allez, pick spike, on est en 1 contre 4, il faut pas de choke, il faut juste l'attendre. On va chercher un. Oh là 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 là, Yopa, mais il me régale ce petit frère. Je pense que ça va safe pour Viper ou tenter de prendre les exits. Rien de plus. Allez, encore un Yopa. Parfait. Mais oui, c'est qui disait ça entre vous, mais il disait early game, on se chie dessus et qu'on a plus rien à perdre vers la fin, c'est oui. Là qu'on perf. En fait, ouais. On est fort quand on est en difficulté, frère. Mais oui, frère. Alors que si on rentre dans cette mentale, alors qu'il y a 0-0, c'est une extermination. Hein. En fait, on joue sous pression. Ouais. On est meilleur sous la pression, je pense, ouais, mais... Ah, mais yo pas, frère. Bah, dommage. Allez, Yopa, c'est ta game. Time out de Cicadas. Ils ont bien raison de le faire ce time out. Ouais, pas une donnée de momentum. Hein. Bon, dans le meilleur des mondes, il y a 7-5 là. Ouais. On aimerait bien 7-5 quand même. Hein. Ouais, 7-5 en vrai, c'était convenable. Honnêtement, je pense que c'est ce qu'on cherche. Bah oui. normal. Non, on cherche le 10-2. Bah, honnêtement, est-ce qu'on peut faire 9-3 Eh, Wachi, je t'aime trop, mon frère. Mais t'as vu? T'as vu? Tu vois, quand je casse LOL avec Kada, t'as vu? Il a des. Tu vois, il connaît la méta, il connaît les trucs, frère. Il met des trucs pertinents, fils de pute, Wachi, frère. Wesh, un pouvoir! Wesh! Je mange sans, LOL maintenant. Sans pertinent, frère! Sans pertinent, cousin! Ok, non, je suis pas d'accord. En fait, je vais dire la strat, après, il va me dire tu te prends pour le coach, sale bâtard. Non, pas du tout! Pas du tout! Crois-moi que non! Je te jure que non! Mais je te jure que non, frère! Analyse, fais des trucs, frère, t'inquiète pas, on va pas te flame.
Après, la seule fois où il a essayé de parler, c'était quand il avait parlé de Nate, Ah ouais, oui, il allait trop loin. Et depuis, c'est un traumatisme. Je te jure, c'est ton plus gros banger. Nate allait trop loin. De fou. Elle est dans Hall of Fame, frère. Je te jure, elle a jamais été oubliée. Je te jure vraiment, Nate allait trop loin, frère, ça fait partie de tes classiques. Depuis, il n'a plus osé parler, frère. En plus, Wattie, ça, c'est ton main jeu. Moi, je t'ai dit, parle en plus, no cap. Ah oui, frère, c'est ton main. Vas-y, go. Wattie, moi, je laisse le rune. Moi, je parle pas. Vas-y, on parle ensemble. Là, ça va repartir. Là, ça repart. On prend notre temps. Ça va essayer de rejouer la hookah, je pense. Allez, on va jouer dans cette longue baie. Bien vu, ça, Wattie. Tu vois, bien vu. Et confiance en toi. Mais oui, il connaît le jeu, Wattie. On a pas de... Ouais, on a un dog, on a un dog, Wattie. Voilà, mon gars. Oh, elle meurt. Ça canne, Dommage, Yopa, malheureusement. Malheureusement, Yopa, il est tombé. Mais c'est pas fini. Oh, y a pas une grenade, on a pas une grenade. Ok. Ok. Ah non, merde. Ok. Merci. Oh non, il avait plus de balles. Parle plus jamais de ta vie, Wachi. Plus jamais de ta vie, tu parles, d'accord? Plus jamais de ta vie. Chien, Thomas. Trop chien. My bad, on est allé trop loin dans cette hookah. Par contre, blague à part, faut le mettre sur round 1. Faut le mettre sur round 8-4, c'est beaucoup plus réconfortant. Ouais. Comment elle est pas morte, la Viper? Ah, elle a avancé. Oh, elle s'est tirée dans sa smoke. Ah ouais, c'est bien joué. Aïe, c'est une munition. Il a essayé de sortir le pistolet. Est-ce que le shotgun se sort plus vite que le pistolet? Ou juste il a appuyé avant? Wattie? Oui. Bah... C'est bon. Oui. C'est Martino qui est engagé, on va le tuer. Il est pour nous, Sita, il est pour nous. On a l'info sur lui, malheureusement Starkey va tomber à pire, qui a réussi à lui mettre, je crois, un travers smoke, voilà. Voilà. Oh. Non, à pire. Ok, Martinho, 1v2. Ok, un contre 2. Marty Magic, s'il vous plaît. Pitié. Chef. Pitié Spike, hein, c'est le mec fort là, c'est le Ruski. Chacal Tamis Kelba. Oh, je te jure, j'ai rigolé. Il fait une heure du temps, j'ai peur. Là, attention, il passe par la lampe, on a personne qui tient cet endroit. C'est bon, il y a step. Ok, on l'a entendu. Il est pas stun, il passe par bait là-dessus. Bon dieu, on est là. Oui, Martinho qui est très bien placé là-dessus. Ouais, tu sais quoi, vraiment, je pense qu'il s'attendait vraiment pas à avoir un mec planté sur le spike comme un clown, tu vois. Ouais, faut vraiment porter ses couilles pour être placé là, parce que généralement quand t'es là, tu prends des travers. Tu prends l'espace, ouais, tu prends l'espace et tout. Et oui. C'est vraiment un move de clown en vrai de rester sur le spike, mais justement au niveau ça l'a surpris, tu vois. Zachary, le round. Mais non, mais en vrai c'est vrai. Hein. Peut-être fallait juste pas me DRF à la fin pour se détendre. En fait, les mecs, psychologiquement, j'ai l'impression si on est tendu, ils sont tendus. Si on est chill, ils sont. T'as pas vraiment en fait, parce qu'il y a 4 minutes de délai. Du coup, ils sont en avance, ouais. Dans notre cas, t'as pas d'impact en fait, parce qu'ils nous entendent pas. Ouais. Ils ont quasiment deux routes d'avance. Non, mais Smarly, whatever, bro. Genre, que ça soit en direct ou en différé, ils nous écoutaient pas même en direct. Ouais, c'est jamais du stream. Oui. Allez, on est en défense. Prendre l'info. On est en défense, c'est le gun round maintenant. Ok, gun round très important, ça pourrait nous permettre de nous relancer. On rappelle, si on met ce round. Oh putain, j'ai cru que c'était l'entre demi ou pas. C'était peut-être deux rounds d'affilée et on pourrait revenir à 8-6. Allez, pitié. Pitié, ce GR, il nous le faut. Martinho, cale long. Smoke, il va fade. Attention, le combat de regard. Et dès que je vois fade, j'ai l'impression que c'est Arilan qui joue, frère. Et ça te fait peur, du coup. Ouais. Oula, okay, on a l'information, parfait. Le doc est envoyé. Et on recule. On a l'information, on recule. C'est qu'il y a du monde. Ils veulent, hein. Ils veulent passer. On a l'info, oui, on a mis des bons dégâts. Dégâts sur le Cypher. Okay, oh, Starkey. De Starkey. Un pour un, il va tomber Starkey. 3v4. Faut qu'on joue ensemble. Attention, elle a tête 30 d'hommes. On n'a pas de heal sur cette caille visiblement. Ok. Et yes. Oui, il est bon, dégâts sur Spike. Yes, sur le site. Nice. Ok. Ils sont tous longs. Retake bien. Magic. Lâche pas, okay. Magic, premier kill.
Oh, il a réussi à fraser, on a la moitié, c'est bon, ça devrait être fait. Oh non. Incroyable la retake. On l'a. Ouais, y'a déjà l'alf. Ça va le faire largement, ce spike est pour nous. Merci. Pourquoi il y a la tête de race par terre? La quoi? La tête de race. C'est le mode adulte qui est désactivé, on voit pas les cadavres. Ouais. Ah ouais? Ouais. T'as vu, tu les vois sous forme d'hologramme en fait quand ils meurent. C'est ça. Pour que tu saches qui est mort où, quand t'es une sage par exemple et que tu veux revive. Là, il a quand même réussi à trouver ses kills, hein. Il a quand même réussi à trouver ses kills, Utah. Ah, c'est bien. Il faut pas qu'on perde le roue d'armé. Don't lose this round, guys. Eh, faut jouer sérieux, faut juste jouer sérieux, hein. Y'a pas de raison qu'on le perde, ce round. Et on va jouer A. Faut faire très attention à cette raise et brille. Le combo, il fait super mal. Oula, c'est quoi cette line-up de fou furieux de la Viper? Ok, c'est juste pour empêcher. Oh, depuis la lampe. Il aurait pu la mettre d'ici, hein. Franchement, c'est un flexeur. Ouais, c'est un flexeur là. Vas-y, jette-la par terre. Pff, attention, Yopa qui peut être très dangereux. S'il fout dans cette smoke, il peut peut-être trouver un doublé. Est-ce qu'il va cross cette smoke? Oh, il a fait des dégâts? Oui! Oh, y'a Yopa. Non, il est bon. Oh, Yopa! Le doublé! Il est bon. Il a encore une grenade? Attention le timing. Non. Ok, la grenade est partie. 34 HP à pire. 34 HP. M'a dit que t'es low, 20 HP. Ok, ça rota B. Oh, y'a. Oh non! Non, faut pas perdre avec les armes. Faut pas perdre le round d'armée! Ok, c'est 3. Pas parti chercher l'arme. Marty, infiltré dans le dos. Pissé, Marty. Non. C'est dommage. Il avait son spell dans les mains. Mauvais timing. Magic, Starkey, ils sont encore en vie. S'ils sont encore en vie, la job life est en vie. Et mon cœur il bat à 2000, wesh. Arrête de mentir, c'est impossible, c'est mort. Magic 1v2. Allez, il a pas l'info, il a pas l'info. Oh. C'est pas sa faute, hein, mais putain. 9-5. Et là, du coup, on est reparti en écho, frère, et ça pète les couilles. Ces rondes-là, c'est notre. Là on a perdu deux fois le round où on était armé contre eux qui sont en pistolet. Oh là 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 là, bah après il lui a explosé le crâne, hein. Franchement bien joué à lui, hein. Et là dommage, on n'a pas l'information. Bon, on est en round d'écho, mais il faut savoir que avec des shérifs, oui, ça se met. Des vandales, ça se met les rounds d'écho. Les rounds d'écho, ça se met. Ok, on va chercher la lampe. Y'a personne sur A! Ouais, on a essayé de jouer 5 stack sur A. C'est un pari risqué, mais c'est un pari à prendre quand on a pas d'armes. Ah, s'il vient dans A, on est content, quoi. Ouais, et malheureusement, quand il va en B, bah. C'est la dumps. Parce que jouer la retake sans armes. Bah, ça donne wesh, ça. Wesh, à pire qu'il vient de faire un triple kill. Il est loin après, Pierre. Hein. Ah. Non. Il est un classique, hein, bonne chance. Aero. Il veut son ace, hein, il veut son ace, c'est pour ça qu'il grid. C'était l'écho. 10-5, c'était l'écho. Ça me rappelle MDR. Ça me rappelle MDR. Et on l'a gagné la game contre MDR. Hein. On l'a gagné. Pas hein. Des lol, cette game. On a des armes maintenant. Je les mourra. Allez, pitié. Merci, mon frère. T'es dans le navire. Ouais, il a fait un triple kill, je sais pas comment. J'ai pas vu moi le triple 1. Oh ouais, t'es aligné devant lui. Faut pas perdre ce route. Là on a des armes, eux ils sont encore dans leur route bonus. Si on le perd, c'est une catastrophe. Bon, on le perdra pas. On va pas le perdre les mecs. Ouais, pitié. Allez, j'ai envie d'y croire. En tout cas on a 5 vandales et fantômes. Hey, j'ai full confiance en les joueurs. On a l'information, on sait qu'ils sont minimum 3 au niveau de ce long, c'est rentré. Petit Martinho. La reveal qui est envoyée. Oui, yeah, oui. C'est Starkill doublé. 3v2, Magic ou pas. Oula. Allez. La prise d'espace de Yopa. Oui.
Oui, c'est oui, dodge. Oui, 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 putain, enfin, frère. Incroyable. Oh là là. Enfin, enfin, enfin. Ah, fallait pas le perdre celui-là. Fallait pas le perdre celui-là. Oh, si on le perdait, c'était dos au mur et fin de game limite. Et Martigno qui arrive, qui arrive à tuer la Raze alors qu'il y avait l'ulti qui est dans les mains. Yopa qui arrive à s'infiltrer, le sachet pour casser la ligne, il le renvoie dans le crosshair de Magic. Ah, ouais, Magic. Parfait là. Ouais, parfait. C'était bien. Pas perdre ce round. Là, attention, il faut plus les perdre les rounds. Il faut plus les perdre. Il y a deux ultis en face, faut faire très attention à l'ulti de Brim. Ça peut être claqué lent par début de round. Après, on avait tous nos ults aussi. Hein. Lâche. Oh dommage. Oh, c'est pas passé loin. On a bientôt nos ults, Marty il a bientôt, Yassi il a bientôt, Magic il a bientôt, Strix il a bientôt, Yopa il a bientôt. Limite genre à 1 kill ou 2 ou une orbe. Allez. Non, il a pris un shot. Il est pas mort. Oh Magic. Ok c'est bien. Encore. Incredible, ils ont plus de raise, plus de dueliste. Oh, Lucibrix qui est claqué, il a tué 3 personnes, attention à Cypher sur la gauche du backside. Sur la gauche du side qui peut être dangereux parce qu'on a pas l'info sur lui. Yass qui arrive à prendre l'ascendant. Yass qui va tomber, Magic va faire tomber Yopa. Là c'est 3v1, 1v2. 2v1. 1v1. Aïe. Tranquille. Lâche pas. Il a pas le son. Non! Il aurait pu le prendre en entier, il avait pas le son! Ok, let's go! Oh putain! Okay. C'est quoi cette double cam là? C'est quoi cette pauvre de Golem? Eh, je savais pas! Je savais pas que j'étais équipe, Otto! Eh, tu crois quoi toi? Tu crois oh là là, il m'a fait peur! Ou quoi là? Oh là là! Eh, c'est Mario Kart, oui! Tu fais plus jamais ça, Otto! C'est MW2, Otto! C'est trop moche ça, on va rendre vraiment plus jamais! Eh, j'aime trop spam box quand vous criez tous! Allô? Mais j'ai eu peur. Je t'ai mis depuis longtemps, Mora, t'inquiète pas. Mais c'est quoi ce bruit? Non, mais la double POV, on aurait dit. Oh là, j'ai eu tellement peur. VR. Nice, oh, Magic. C'est quoi ce jeu de con là? Mais en vrai, Wattie, il a raison, il avait pas le son. Du coup, en fait, même si on avait continué de diffuse jusqu'à la fin, c'était bon. Oui, ouais. Mais c'est pas parce qu'il a pas le son qu'il peut pas pick. Et que du coup, il faut pas qu'il lâche pour. Oui, c'est vrai, ouais. Tu vois? Ouais. Avec des c'est beaucoup plus qu'un flip. Exactement. Oui justement, en gros tu sais il peut dire bon que j'ai pas le son, bah je fonce. Ouais, là il y a pas qui prépare sa nade. Plus le stun. Ah, ça a pas touché malheureusement. Mais il y a des petites strats, ça fait plaisir. Ouais. Bon. Est-ce qu'il prépare la rota sur B avec un TP? BO3, on a perdu la première game. Si on perd celle-là c'est ciao. Si on perd celle-là, je regarde un billet là pour aller en Algérie là. Au lieu de partir le 3. De base j'avais prévu de partir le 3 au cas où on aille en finale. On va partir en finale. C'est pour ça, moi ça m'arrangerait qu'on parte le 3 comme ça. Allez, on peut le faire encore les frères, croyez. Faut croire aux joueurs, excellent, le spec est devant nous. On a l'ult sur Yass, Martigno il va s'y prendre de l'espace. Il va prendre de l'espace Martigno, dommage, il aurait pu faire un double kill là-dessus. Attention Yass, attention, 3v4. La prise de risque de Martigno qui aurait pu payer. On a toujours le spike, oh là 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 là, 2v4. Il est bien placé Magic, oui il a réussi à en prendre un. Non. 1v3. Aïe, c'est dommage. On a les sous. On n'a pas de sous. Et là on fait quoi? On force, on joue l'écho, on... Qu'est-ce qu'on fait? Enfin time out hein. Je sais pas si vous voulez mettre un replay mais... J'avoue que là le roi regardez Martigny, il va tenter quelque chose, c'est coin flip de fou. Mais Marquis ça se tente hein. Ça se tente parce que là, en vrai de vrai, il se tente pas à le trouver ici. Il fait double kill, ça change le round hein. Ouais, bah le round est gagné hein. Les mecs, il y a le coach qui est en train de leur parler, n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'on est sous pression, c'est là où on est les plus dangereux en soi. Ouais. Donc faut faire confiance. Mais là le souci Mora, c'est est-ce qu'on joue 5 shérifs et on prend le risque de l'inégalité? Est-ce qu'on force et on prend le risque de, si on perd le round, d'être en écho à 12-7? Tu moi, captes le jeu d'échecs là? Ouais, je vois. Moi je pense que ça va force hein. Moi je pense que ouais, la vie c'est une prise de risque.
Faut flip. Genre si on dépense et qu'on fait et qu'on met le round, attends, ça nous remet combien ulti. Par exemple, attends, Yopa, en vrai, est-ce qu'il a vraiment besoin d'une arme là? Avec son ult. Ouais. Je sais pas, peut-être couille, hein. Okay. Oui, il a besoin. Ok, Yoru, il a un ult. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Okay. Est-ce qu'on va aller A? Ok, on va aller B, j'ai l'impression. On va Echo, hein. On va jouer l'égalité. Après, je dis, on va jouer égalité, mais les gars, les rounds au shérif, on les met. Hein. Les rounds au shérif, on les met. On a l'ulti sur Yopa, on a l'ulti sur Yoru, on a l'ulti sur Marty. Ça peut se mettre. Là, il y a un shorty, hein. Ok, il y a les. Il y a un shorty parce qu'il joue Yoru. En gros, il va sortir l'ulti, il va tenter le one shot. Là, je vois ça. Oh là là, Yopa, oui! Il l'a bloqué, Yas! Yas, il a bloqué Raze en donnant l'information. Est-ce que quand ils se détransforment, ils entendent des ennemis? Ouais. Il y a un gros bruit en plus. Ah merde. Allez, pitié. Ça fait plaisir de tuer la Raze là. Ça va être plus compliqué pour eux de rentrer dans les sites, attention parce qu'il y a l'ulti Viper. Il y a l'ulti Viper, est-ce qu'ils vont claquer? Yas, bon, de toute façon, ils pouvaient rien y faire. Ils pouvaient regarder que par ici, il y avait un shotgun. Oh, Magic! Oh, dommage, Magic. Il met pas la deuxième balle. 3v3. C'est loin. Tranquille, tranquille. Peut-être pour cancel cette bombe. Oh, Marty! Oh, le flic qui a failli passer. La reveal. Oh, dommage, il y a le fils de. De loup de merde! Et ça plante. Non! Tranquille. 2v2. Ok, on sait qu'on peut le traverser. 2v2, la Sky elle est low. Est-ce qu'on va traverser le box? Vas-y, oh, pas mon frère. T'as un petit chien. Allez, pitié, c'est maintenant ou jamais qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut s'éveiller. La blanc, attention! Allez, petit prince. Dommage. Bon. Non, ils vont pas t'envoyer au bled, quand même. Ils vont m'envoyer au bled, poteau. Frère, pas une journée double défaite. Si ça, sache-le. T'as un Yas qui bodyblock à pire pour mettre l'ulti du Yopa, en vrai, c'est bien pensé. Tu bodyblock quand t'es forme, quand t'es sous l'ulti du Yopa? Ouais. Force, hein. Par contre, ce qui rend heureux. Oh là là, non mais frère. Ce qui rend heureux, c'est qu'on a des sous pour acheter des armes, tu vois. Si on avait vraiment force, on avait acheté des spectres ou quoi, frère. Là, on aurait dans une merde de zinzin, vous rendez pas compte. Ouais, dans la dumps. Ouais. Et là, y'a plus droit à l'erreur. Yas qui a réussi à prendre un kill. Allez, Magic. 2v2. 2 contre 2, 2 contre 2. Exactement. On a le petit Martigno, y'a le petit Viper en face. Oh, allez, Yopa! 1 contre 2. Allez, 1v2. Oh, le timing pour Yopa peut-être, si la smoke a payé. Oui! Tu restes au pays, Thomas, pour le moment. Pour l'instant. Bon, on est deux au mur, on a plus le choix là, c'est la confiance qui parle. Il faut mettre des têtes, hein. C'est très bien joué la TP de. La TP de Yas, Magic 1, 2. Dommage, j'arrive pas à faire le troisième. Là, c'est 4 rounds minimum après Xinov. Rouge, violet, tout. C'est parti, c'est maintenant. J'ai pas compris, rouge, violet, tout. Ouais. Les snaps. Ah, ok. C'est bon, je l'ai. Je l'ai. C'est bon, tu l'as. Je l'ai pas. Balle. Et 8 sur 10. 8 snaps minimum. Ah oui, ouais, c'est 4 rounds minimum. Allez, oui, snap, oui, blessé. Non. Pitié. Il a réussi à la faire tomber. Oh, dommage. Je le pré-shot qui passe. 3v4, on a encore nos armes. On a l'ulti sur Breach. On a l'ulti sur Marty. C'est pas fini. Ulti Viper qui va être claque. Ok. 2 contre Starkey. 2v3. On attend Marty. Oui. Oh, Starkey. 2v2. 2 contre 2. C'est possible. Allez, tire à gauche. Tire à gauche, s'il te plaît. Oui. 0 sur 20. Fermez vos fenêtres en passant, les frères. Allez, faut diffuse. Je t'en crois. C'est mon passeron. Oh non, il y a les naïves de Brim. Oh, c'est dur, Marty. Let's go. C'est possible. Bon, j'en ai pas la moitié. Oui, ça se voit, il est abonné à des comptes TikTok Strat Bridge, lui, ou je sais pas, Brimstone là. C'est un malade, frère, ça fait deux fois il fait ça.